de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Et on est ravi également de retrouver avec nous notre consultant, notre légende de l'escalade, François Legrand. Bonjour François. Bonjour Bertrand, excuse-moi. Ravi d'être avec nous François aujourd'hui. Franchement, c'est un honneur de vous avoir encore une fois sur Sport en France. Aujourd'hui, une compétition avec un intérêt tout particulier, ce sont les championnats de France de difficulté. Les JO de Paris, c'est dans moins de 400 jours. Ce n'est pas encore une étape qualificative, mais c'est une première marche importante pour nos grimpeurs français qualifiés en finale aujourd'hui d'aller chercher ce titre de champion de France et espérer être dans cette équipe de France et in fine intégrer l'équipe olympique. Effectivement, au-delà du titre de champion de France, qui est quand même un joli titre à aller chercher, il y en a beaucoup qui jouent leur place en équipe de France ici sur ce résultat. Et c'est la première étape pour aller chercher la qualif olympique, peut-être, sur les Coupes du Monde. Pression pour tous les grimpeurs. On va bien sûr présenter ce décorum fantastique. On est ici à l'usine escalade de Tarbes, au sein de l'ancienne arsenal de Tarbes, là où ont été fabriqués pendant des centaines d'années les canons, les chars, les munitions pour l'armée française. Aujourd'hui, ça a été complètement transformé pour accueillir cet espace sportif complètement dingue et avec ce mur de difficulté gigantesque, 19 mètres de haut. C'est là que les finalistes, femmes et hommes, vous s'affrontez aujourd'hui, François. Oui, ce mur est incroyable. Hein. C'est un des plus hauts de France, 19 mètres. On est au-delà de la hauteur des murs de compétition internationale. Avec aussi, en face du mur de difficulté, un fronton de bloc qui pourra accueillir aussi des Coupes du Monde de bloc. C'est un équipement génial pour la fédération, pour organiser des compétitions. Et c'est très certainement un haut lieu, ça c'est déjà certain, un haut lieu de l'escalade indoor en France et dans le futur, on l'espère, un haut lieu de l'escalade internationale puisqu'on a vraiment une installation qui est toute particulièrement belle aujourd'hui. Eh bien, place à la compétition à présent, François. On a eu en image le résumé des demi-finales qui ont eu lieu hier sur ce magnifique mur d'escalade, ce mur de difficulté. Et les 8 finalistes hommes sont en train de faire leur apparition sur cette scène. Le public est déjà là en nombre, c'est plein à craquer. On va avoir une ambiance fantastique aujourd'hui à Tarbes pour ces championnats de France. Et on rappelle que ces demi-finales ont servi de qualification pour la finale avec les 8 meilleurs qui se sont qualifiés pour cette grande finale des championnats de France. Le champion de France 2023 est parmi ces 8 finalistes. Oui, il est au milieu, donc on le verra passer à peu près dans 4e place. Ils vont passer dans un ordre qui est l'inverse du classement d'hier, de la demi-finale. Donc le plus performant, c'est celui que vous avez aperçu sur ces belles images des demi-finales à la fin, Jérémy Bonheur. Alors que là, c'est le jeune Jules Marchaland. Jules Marchaland qualifié tout juste pour ses finales, 8e des demi-finales. Il est donc bien présent aujourd'hui. Eh bien, attention à lui parce qu'on en parlait hors antenne. Hein. Un parcours chez les jeunes assez discret et puis il se révèle chez les seniors. Oui, attention. Hein. C'était un meilleur grimpeur l'année dernière au niveau des Coupes du Monde. Adrien Lemaire, 7e des demi-finales. Et donc, il sera le deuxième à se lancer sur ce mur de difficulté, sur cette voie qui a été minutieusement préparée par les ouvreurs, par l'organisation de ce championnat de France. Et ces 8 finalistes vont s'affronter sur cette voie qu'on va découvrir dans quelques instants. Arsène Duval, on le connaît bien, Arsène Duval. Pareil, lui, c'est un jeune qui est sur le,
le circuit des compétitions depuis un bon moment chez les jeunes. Et puis là, l'année dernière, comme Jules, il a été assez performant et ça lui donnera la chance de participer à Chamonix. Romaric Geffroy, le champion du monde en titre. Il a 26 ans, il fait partie lui aussi du club de Chambéry. Chambéry Escalade, eh bien, il remet son titre en jeu aujourd'hui. Ça s'est pas beaucoup fait, champion de France deux fois de suite ces dernières années. Vous l'avez fait, mon cher François Legrand, en 93-94. Oui, il y a longtemps. Eh bien, ça va être tout la difficulté pour lui aujourd'hui d'aller chercher ce deuxième titre. Hugo Parmentier, du club du Vitassur. Ouais, Hugo, un peu comme Arsène, hein, c'est déjà les vieux du circuit, alors qu'il est encore très jeune. Très complet, grimpeur vice-champion de France l'année dernière, hein, quand même. Donc, attention à lui. Il est peut-être champion cette année. On verra ça dans quelques instants. Nao Monchois, de l'entretemps. Ça vient de Besançon, 24 ans Nao. Il s'est qualifié troisième des demi-finales. Alors, on rappelle que sur les finales, on a une voie complètement différente. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Oui, bien sûr. Hein, les prises ont changé. Donc, les compteurs sont remis à zéro. Mais Nao fait partie des grimpeurs en forme. Et attention à lui. Hein, les demi-finales du nord de la France ont eu lieu à Besançon justement. Et on enchaîne avec Jordi Paulès de Lyon Escalade, le Lyonnais, Lyon Escalade Sportif, 19 ans. Oui, mais pourquoi tous ces applaudissements? C'est juste parce que Jordi est de la région, en fait. Il fait ses études à Lyon, donc c'est le local de l'étape et c'est l'outsider parce que c'est la surprise de cette finale. Il avait 19 ans, un des plus jeunes de cette finale, si ce n'est le plus jeune. C'est bien le cas. Et le vainqueur des qualifications, le vainqueur des demi-finales, même Jérémy Bombert du club de Cahors Escalade, 31 ans. Déjà trois fois champion de France de bloc. Cette fois, on le retrouve sur ce championnat de France de difficulté. Attention à lui, il s'est imposé dans les demi-finales. Mais là, on remet les cartes. On rebat les cartes et c'est reparti pour une finale, cette fois à 8. Et ça va commencer dans quelques instants. Oui. En direct, sur en France, bien sûr. Pour ce qui est de Jérémy Bombert, c'est assez original hein, de passer d'une carrière internationale en bloc à finir dans sa deuxième partie de carrière en div, puisque là, il n'est pas dans l'optique de jouer vraiment le projet olympique, la qualif olympique. Il a arrêté carrément de faire des compétitions de bloc et il se consacre exclusivement à la difficulté. Donc, objectif vraiment, lui, le titre de champion de France. Allez, place maintenant, après la présentation des 8 finalistes garçons, à la présentation de cette voie. Justement, il y a deux voies, une voie pour les hommes, une voie pour les femmes. Et la première finale qui va avoir lieu ici à Tarbes, c'est la finale masculine. Alors voilà, cette présentation de la voie, on va surtout vous écouter, mon cher François, parce que vous êtes notre spécialiste, notre légende, et ouais, vous voyez tous les petits détails sur ces voies. Alors, superbe mur, hein, très haut, 19 mètres, on l'a dit. Ça part tranquillement, hein, pas trop surplombant au début, avec ces gros volumes bleus, ces sortes de bulles. Ça va pas trop être normalement très compliqué, mais attention là, sur l'arrivée, sur ces deux prises obliques bleues, on va rentrer dans le vif du sujet avec un mouvement un peu de prise de risque. Après, se suit cette succession de petites prises sur ces volumes noirs, des petites micro-prises lissées, qui seront une section assez exigeante en force doigt. Et là, quand on rentre dans le toit, cette partie triangulaire jaune avec ces volumes noirs à nouveau, il y a un mouvement spectaculaire, il va falloir se jeter à deux mains. Là, c'est forcément, il y a une prise de risque importante pour les grimpeurs. Après, on est sur la partie surplombante, la plus surplombante du mur. Donc, c'est forcément la partie qui va fatiguer physiquement. Et à partir de ces premières prises bleues, les sortes de cratères, prises, macro-prises en dual texture, vous voyez, ces prises sont brillantes d'un côté, il n'y a aucune adhérence. Et puis, la partie rugueuse où il faut poser la main ou le pied pour ne pas risquer de glisser. Là, on est dans une escalade beaucoup plus à sensation, moins surplombante, et c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur parce que c'est très facile avec la fatigue de perdre un petit peu sa lucidité et de mal se placer ou faire une erreur de placement de pied, zipper, voilà. Et après, forcément, la fin, on voit ces dernières, la voie part un peu vers la gauche, il y a des toutes petites prises hein, en lisière des parties vertes et jaunes de ce mur avant de revenir vers le top qui est à droite avec forcément une sorte de mouvement de jeté à l'horizontale à droite. Le top, il faut absolument, pour réussir la voie, clipper la corde dans cette dernière dégaine qui est à gauche du panneau top. La fameuse, celle que tous les finalistes aujourd'hui ont envie d'aller chercher et d'aller mousquetonner. Si on dit comme ça? C'est ça, mousquetonner, bah voilà. Clipper pour les jeunes. Voilà. Pour être plus récent. Mais mousquetonner, c'est le terme. Et voilà, et ben c'est celle
dégaine qu'il va falloir aller chercher pour essayer de toper cette voie et essayer de devenir champion de France aujourd'hui. La startlist, on la découvre ici avec Jules Marchalon, Adrien Lemaire, Arsène Duval, Romaric Geffroy, Hugo Parmentier, Nao Monchois, Jordi Paulès et Jérémy Bonder. Voilà les 8 finalistes chez les garçons. Ils partiront eh bien, dans cet ordre. Une tentative seulement, on va rappeler le format de compétition. Ils vont avoir 6 minutes pour essayer d'aller monter le plus haut possible. Le but, bien sûr, est d'aller tout en haut et d'aller chercher cette dernière dégaine. Voilà, pour rappeler un petit peu le format des compétitions de difficulté. Sur les qualifications, on est dans un format flash, c'est-à-dire que les grimpeurs ont des démonstrations de leur voie avant de grimper et ils passent et ils se regardent les uns les autres grimper. À partir des demi-finales, c'est-à-dire hier soir, et également ici en finale, on est sur un format à vue, c'est-à-dire que les grimpeurs, les joueurs ont remonté donc une voie totalement nouvelle qui est inconnue de tous ces compétiteurs. Ils sont tous isolés dans une salle d'échauffement. Ils viennent observer la voie tous ensemble. Là, c'était il y a une petite demi-heure avant le début de la compétition. Pendant 6 minutes, ils essaient de trouver le chemin visuellement, les méthodes. Ils prennent le plus d'informations possible pour après, une fois qu'ils arrivent au pied du mur, ils n'ont plus que 40 secondes. Là, c'est ce que fait Jules pour relire un petit peu les prises, se remémorer pour bien partir dans sa voie. Et à partir du moment où il a décollé les pieds, il lui reste 40 secondes, 6 minutes pour aller le plus haut possible dans la voie. Et à la moindre erreur, là, s'il lâche, s'il glisse, c'est fini. Et là, c'est parti pour Jules Marchalan, le premier concurrent dans cette finale homme. On aura la finale femme hein, qui aura lieu juste derrière pour le titre de championne de France. Et c'est Jules Marchalan qui vient ouvrir le bal chez les garçons. Le grimpeur de 21 ans qui représente Cagnes Escalade est bien parti. Et on est sur cette première partie de la voie avec ses gros volumes bleus. Pour l'instant, ça déroule tranquillement pour eux. Et là, c'est vraiment une entrée en matière. Les ouvreurs avec ce mur très haut, hein, 19 mètres verticalement, ça fait des voies qui dépassent les 25 mètres d'escalade. Ils ont le temps de faire monter les grimpeurs un petit peu et de mettre des difficultés. Voilà, la première difficulté, c'est maintenant. Il va falloir s'envoler. Alors lui, il est assez grand, donc il n'a pas trop sauté, mais ce mouvement, il a perdu le contact avec les prises de pied quand même, donc ça demande une petite prise de risque. Et la prise d'arrivée est assez confortable. Et pendant ce temps-là, on rappelle que les autres concurrents ne voient pas ce que fait Jules Marchalan. Ils sont dans une salle d'isolement derrière et ils attendent leur tour. Donc pas d'indication concernant les passages des grimpeurs précédents hein, qui pourraient leur donner des indications s'ils les voyaient de leurs propres yeux. Alors pour les derniers, ils doivent finir de peaufiner leur échauffement. Mais en général, lorsque le premier finaliste démarre, ils sont déjà quasiment tous échauffés. Ils sont plutôt en train de rentrer dans leur bulle au niveau de la concentration et dans leur routine de préparation derrière le mur. C'est-à-dire ils se préparent à mettre leurs chaussons, leurs baudriers. Et il faut qu'ils soient prêts dès que le jeu aura terminé. Et voilà le premier mouvement spectaculaire. Et ça vient enflammer la salle de l'usine Escalade de Tarmes, qui tout de suite se chauffe et réagit chaleureusement à la performance de Jules Marchalan qui se retrouve là au niveau du toit. Jules qui a trouvé une position de coincement de genou assez originale. Hein. Et ça permet de mousquetonner tranquillement, de remettre la magnésie. La magnésie, hein, c'est cette poudre qui est utilisée aussi par les gymnastes pour assécher la transpiration des mains. Particulièrement en indoor comme ça, hein, il fait assez chaud. On ne peut pas glisser, ça c'est certain. Voilà, là on est dans la partie la plus surplombante du mur. C'est des prises qui sont assez petites mais très franches, donc si le grimpeur n'est pas trop fatigué, il assure chaque prise, chaque mouvement. Ça se passe bien pour Jules. Et on l'a dit, attention, parce que Jules peut tout de suite mettre la barre très haut sur cette finale. Allez, on arrive déjà dans la dernière partie du mur. Et elle est longue, cette dernière partie du mur. On change d'inclinaison. On voit bien hein, la cassure en dessous. Là où il a les pieds, c'est presque un toit à l'horizontale. Et là, on rentre dans un dévers moyen. Un joli placement, un crochet de talon qui lui permet de relâcher un petit peu la main. Là, on est sur des sortes de boules. On voit très bien, on parlait de cette dual texture où il faut impérativement bien placer ses doigts sur la partie adhérente et même les pieds. Attention, dès qu'on est sur la partie lisse, on risque la zipette. Allez, on arrive sur la partie finale. Il se bat, hein, Jules. Ah, il a lâché malheureusement au niveau de ses grosses pinces là, François. Jules Marchalan qui est arrivé presque tout en haut de ce mur de Tarbes. Et voilà, il décroche vraiment très haut. Il place déjà la barre très haute. Je rappelle que les prises
sont numérotés. Et là, en fonction de la prise, où est-ce qu'il s'est arrêté, eh bien, on va noter son score comme ça. Exactement. La voix fait 48 mouvements. Pour les spécialistes, hein, c'est une voix côté 8C+, donc c'est extrêmement difficile. On est sur des performances à vue qui sont pas loin de la perf max, qui est de 9 à vue en falaise. Forcément, ce serait un exploit presque d'avoir un grappeur au sommet. Et Jules est bien monté puisqu'il est au niveau de la dernière dégaine, à peu près 7-8 mouvements du sommet. On va attendre le score officiel des juges qui va nous être proposé pour ce premier passage dans cette finale des championnats de France d'escalade édition 2023 sur l'épreuve de difficulté. Jules Marchaland qui a déjà mis la barre très très haute. On voit ici sur ces plans les différences d'inclinaison et toute la difficulté d'aller grimper tout en haut de cette voie. Et on voit là, il s'arrache, il donne tout, il crie dans le mouvement, donc il est vraiment à fond dans l'effort. Il peut aller chercher cette deuxième pince là qu'il est venu glisser. Là, pas de regret, hein. C'est un grimpeur qui était à fond dans son mouvement, il n'a pas commis de vraies erreurs, c'est la fatigue qui l'a fait chuter. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le prochain candidat au titre de champion de France, Adrien Lemaire, du club de Esmassy en région parisienne, 24 ans. Il avait terminé 6e l'an dernier, déjà en finale de ces championnats de France d'escalade de difficulté. Et bien aujourd'hui, l'objectif pour lui, ça va être d'aller chercher un meilleur résultat et pourquoi pas un podium, pourquoi pas une victoire. Ils sont tous capables aujourd'hui d'aller chercher ce titre. Oui, c'est un grimpeur polyvalent qui est capable de faire podium championnat de France de bloc comme en difficulté. Donc il y a un grimpeur prometteur pour ce combiné olympique. Même si pour Paris, là, ça va être chaud. Hein, il y a vraiment très peu de place. On rappelle, pour les Jeux Olympiques, il n'y aura que maximum 2 hommes et 2 femmes pour une nation. Donc même pour la France qui est pays organisateur. Les places vont être très très chères pour ces JO. Qui plus est à Paris en 2024. Avec un intérêt tout particulier pour nos grimpeurs français d'aller briller du côté du Bourget, là où aura lieu bien cette compétition d'escalade. Et regardez, Adrien Lemaire, il veut du soutien. Il veut le public derrière lui qui le pousse à aller chercher le maximum. C'est important ça, d'avoir le soutien du public. Ça donne un surplus d'énergie quand on en a besoin. Allez, premier mouvement, ça se passe bien. Allez, on va bientôt arriver au bout de cette première partie sur cette voie avec ses gros volumes bleus et intégrer la partie un petit peu plus en dévers dans quelques instants avec ses gros volumes noirs. Ouais, pas de problème pour l'instant. Une partie qui est assez simple à grimper. Les prises sont hyper faciles à trouver puisqu'elles sont jaunes sur noir. Mais c'est toujours une pré-fatigue. Hein. Chaque mouvement. Et on n'est pas loin d'arriver au premier mouvement décisif sur cette voie, ce fameux jeté à deux mains. Et ça passe. Là, c'est toujours le mouvement le plus spectaculaire qui fait vibrer le public des Hautes-Pyrénées, ici à Tarbes. Et pas de repos du tout, hein, juste après le jeté. Souvent, quand on a ce genre de mouvement spectaculaire, on arrive sur des prises qui sont confortables et qui permettent de récupérer, mais là, les ouvreurs ont bien calé le truc, ils ont mis des volumes en compression, donc possibilité de jeter assez facilement sur les deux prises, mais après coup, pas facile de se reposer. Donc ça enchaîne tout de suite, hein. Il y aura du rythme dans cette finale, les grimpeurs ne vont pas passer 6 minutes dans leur voie. Allez, encore un petit peu moins de 4 minutes dans cette ascension pour Adrien Lemaire. Dans cette grosse partie en dévers, hein, on voit toute la résistance du grimpeur de Massy. Allez, va. Allez, là, il va enchaîner. Il va changer de zone. Là, on va retrouver une pente et un dévers un petit peu différent, un petit peu moins prononcé. Allez, c'est bien ce qu'il fait là au niveau de la gestion. Parce qu'il n'était pas super bien à la fin de ce dévers. Et il arrive avec ce crochet de talon au pied gauche et les deux mains dans le cratère à temporiser un petit peu avant d'attaquer la dernière partie du mur. Mais on voit qu'il n'est pas sur le même rythme que Jules, un peu moins rapide. Alors forcément, plus de temps passé sur la voie, l'énergie est en train de baisser du côté d'Adrien Lemaire qui demande encore une fois le soutien du public de Tarbes.
Après, il joue avec ses qualités. Hein. C'est un grimpeur qui est plus justement sur la gestion du relâchement dans la grimpe. Et là, ça se passe bien hein, maintenant. Il arrive là sur cet énorme cratère hein, qui fait une sorte de grosse prise verticale. Ah, là, encore une fois, c'est la première pince là, qui est venue empêcher Adrien Lemaire de continuer son ascension. Adrien Lemaire qui va échouer juste derrière Jules Marchalan, j'ai l'impression. En tout cas, on est presque au même niveau pour les deux premières. Exactement. Le mouvement d'avant, on a vu déjà le mouvement, où, le premier des deux mouvements où Jules avait mis beaucoup d'énergie, où il avait crié. Peut-être qu'il semblait qu'Adrien avait suffisamment d'énergie pour en mettre un peu plus dans ce mouvement. C'est un peu dommage pour lui. En tout cas, on a bien déterminé cet endroit de la voie où eh bien, les grimpeurs ont beaucoup de difficultés à rester en tension et à rester accrochés à cette paroi pour essayer d'aller plus haut. C'est au niveau de ces deux grosses pinces noires. On va revoir à l'issue de ce résumé de l'ascension d'Adrien Lemaire sur cette finale des championnats de France. Allez, le jeté, le fameux jeté à deux mains à l'entrée du toit. Très spectaculaire. L'entraîneur d'Adrien. Ah, les coachs hein, qui sont placés juste en bas de cette voie avec une vue imprenable. Et on donne ses indications à la voie. Ah, c'est le moment où il a géré un petit peu l'effort. Et là, hein, il a quand même envoyé. Hein, on a vu qu'il avait lui aussi un peu crié. Ces gros mouvements de compression hein, qui demandent vraiment de tout gainer. C'est pour ça que souvent, on voit dans certains sports aussi d'arts martiaux, on utilise un peu le cri pour générer toute l'énergie et le gainage. Regardez le classement provisoire, Jules Marchalan, hein, donc au 42e mouvement, plus, c'est-à-dire qu'il a essayé d'aller chercher le 43e, voilà. Ça n'a pas fonctionné, tout comme Adrien, lui, qui allait jusqu'au 41e mouvement, voilà. Plus là où il a tenté le 42e. Donc la prise, on peut dire que la prise 41, c'est cet énorme cratère bleu et la première pince, c'est la prise la suivante qui est la prise 42. Arsène Duval à présent, le troisième finaliste chez les garçons pour ces championnats de France. Arsène Duval, il nous vient de Chambéry, il a 24 ans. Ouais, alors c'est garçon hein, qui bouge hein, de club à un autre. Il est originaire en fait de Haute-Savoie, près de. Il était sur le club du CAF La Roche-Bolville pendant des années quand il était jeune, puis maintenant il fait ses études du côté de Chambéry. Direction la Savoie, pas très loin, mais ouais. On change complètement. Chambéry qui est un des clubs les plus dynamiques hein, au niveau de la compétition. Un super résultat, on verra d'autres. Chez les filles. Romaric notamment juste derrière, le champion de France en titre. Allez, c'est parti sur cette première partie de ce mur de difficulté pour Arsène Duval. Arsène qui est un vrai grimpeur spécialiste de la difficulté, grand gabarit, plus d'1m80. Ouais, il n'a même pas décollé, hein, donc lui, forcément, il joue un peu avec son allonge. Ça peut être un avantage sur certains mouvements, mais pas toujours. C'est ce que j'allais dire, le physique des grimpeurs a une importance. Est-ce que quand on est plus léger, plus petit, plus menu, est-ce que ça nous apporte un petit peu plus de facilité? J'imagine que la taille peut aider également, mais du coup, on est plus lourd. Exactement, c'est ça. En fait, plus on est grand, même si on reste fin comme Arsène, forcément, plus on transporte du poids, de la masse. Et donc, on se fatigue avec l'effort de résistance. Donc, on voit ça dans d'autres sports. Hein. Il y a des gabarits très légers en athlétisme aussi pour des sports d'endurance. Ça, c'est quand même une discipline où il y a une notion d'endurance. Donc, forcément, le rapport poids-puissance est important. Et on a des grimpeurs en difficulté qui sont souvent aux alentours des 1m70 à 1m75. Mais ça n'empêche pas d'avoir des grimpeurs plus petits ou plus grands. Et pendant ce temps-là, Arsène Duval lui continue. Allez, ce premier jeté, c'est réussi pour lui également. C'est déjà une bonne moitié de la voie là. Aléatoire pour lui. C'est pas un bloqueur, on l'a dit. Donc forcément un peu moins à l'aise sur ce mouvement. Et on voit qu'il n'est pas au mieux pour gérer le mousquetonnage. Donc il va continuer un peu plus loin. J'espère qu'il voilà, il arrive à l'attraper quand même la dégaine. Et il subit un petit peu le rythme là. Ah oui, bien les muscles en tension au niveau des bras là pour Arsène Duval sur ce passage. Il faut énormément de force au niveau des bras et des avant-bras pour résister à cette ascension. C'est ça, mais alors Arsène, lui, au niveau de la résistance, en général, c'est plutôt bien. Donc s'il arrive à passer ce dévers, il va falloir le surveiller. Ah, il rejette. Oui.
Il y a deux prises l'un sur ce volume, l'une derrière l'autre, et en plus elles sont un petit peu cachées. C'est pour ça que les ouvreurs, on appelle, c'est les grimpeurs de très haut niveau qui ont concocté ces voies et qui ne font pas partie de la compétition en tant qu'athlètes. Mais c'est de réels grimpeurs de haut niveau. Ils étaient cinq ici, hein, je vais pouvoir vous les nommer, ils sont super compétents. On a le chef ouvreur Julien Gras qui vient de Valence, Vincent De Girolamo, Sylvain Dussort, Thibault Lair qui est un peu de la région, et puis Romain Cabessu aussi qui est carrément d'ici puisque c'est lui l'ouvreur de la salle. Et ils ont un rôle, on le répète, prépondérant dans ces compétitions. C'est eux qui peuvent faire que la compétition soit réussie ou non. Effectivement, hein, c'est eux qui prennent les risques de mettre plus ou moins d'exigences sur ces voies. Alors ils peuvent faire le choix du spectacle avec des voies qui vont monter très haut, mais c'est au risque de voir plusieurs athlètes sortir la voie, ce qui serait un peu dommage, puisqu'on aimerait que ça joue sur la finale et pas sur les tours d'avant. Attention, allez, il arrive lui aussi à ce cratère bleu, la prise 42, ça passe. 42... 43, tient, il prend la tête. Arsène Duval qui prend la tête de cette finale et qui va aller clipser la dégaine tout là-haut. Allez, attention, hein, ça continue, hein, ça s'arrête jamais. L'intensité sur cette voie, là il va falloir gérer la contre-pointe, lâcher le pied. Ouh là là, il est dans le dur. Ah, le talon, ça va, il lui échapper malheureusement, mais il prend la tête de cette finale. En allant chercher cette prise juste au-dessus de celle de Jules Marchalan qui était le leader provisoire. Quelle finale Arsène Duval pour l'instant. Ouais, deux mouvements supplémentaires, il doit avoir 44 plus si je ne me trompe pas. Super perf d'Arsène qui n'était pas au mieux dans la partie des versantes et qui a super bien géré la sortie du toit. Il n'y a toujours pas de top, c'est-à-dire les trois premiers concurrents qui n'ont pas réussi à clipper la dernière dégaine, mais c'est tout l'intérêt de ces finales, hein, c'est d'aller chercher une difficulté assez extrême pour tout le monde, d'aller chercher ce top. Mais pour l'instant, on a trois grimpeurs qui sont montés très très haut dans la dernière partie de cette ascension, à plus de 15 mètres de haut. Ça reste très très serré pour l'instant. Et là, tout se passe bien au niveau des joueurs, ils doivent être plutôt satisfaits de ce qui se passe sur cette voie. On est stressé, hein, quand on a préparé des voies, on a envie que les grimpeurs se fassent plaisir et puis en même temps que ça fasse la sélection. Et là c'est le cas. Arsène là qu'on revoit là, il attrape cette deuxième pince. Grâce au crochet de talon, il mousquetonne et c'est là où c'était compliqué. Voilà, cette dernière prise bleue de la voie, il lui restait. Alors je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mouvements pour sortir cette voie. Le leader corner ici à l'image avec les trois premiers du classement provisoire. Ils sont trois seulement à s'être représentés pour l'instant. Et voilà, les trois premiers provisoires de la compétition seront assis au fur et à mesure sur ces trois sièges. On retrouve le champion de France en titre à l'instant en face de ce mur en bas, de ce mur de 19 mètres de difficulté ici à Tarbes. C'est Romaric Geffroy. Il vient de Chambéry, 26 ans, on le disait. C'est lui qui a le titre en poche. Il le remet en jeu aujourd'hui. Et Romaric, l'année dernière, c'était un peu une surprise, mais il a confirmé, hein, quand même, parce qu'il a été sélectionné grâce à son bon résultat sur les championnats de France l'année dernière, avec des sélections sur les Coupes du Monde. Il a fait quasiment toute la saison et il était régulier. À chaque fois, il réussissait à passer les qualifications, ce qui est déjà très compliqué au niveau des Coupes du Monde. Malheureusement, en demi-finale, il n'a jamais réussi à gratter sa place en finale. Donc, ça reste un vrai objectif pour lui. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que s'il avait réussi à faire une finale en Coupe du Monde l'année dernière, il aurait déjà son ticket pour aller à la première Coupe du Monde qui a lieu la semaine prochaine à Innsbruck. Et là, c'est pas le cas. Donc forcément, cette performance ici sur ces championnats de France, au-delà de défendre son titre, ça va être hyper important pour la suite de sa saison internationale. Ouais, une saison bien chargée avec les Coupes du Monde, également les championnats du monde qui auront lieu à Berne au mois d'août, en Suisse bien sûr. Et puis l'an prochain, il y aura tout le circuit qualificatif olympique avec les tournois de qualification, les séries de qualification olympique. Et puis bien sûr pour les heureux élus, eh bien, on aura les JO à Paris, au Bourget, pour la deuxième fois de l'histoire avec l'escalade qui fait donc partie intégrante maintenant de la grande famille olympique depuis Tokyo 2020. Oui, les grands rendez-vous au niveau de cette année sur la saison, bien sûr, ça sera ces championnats du monde à Berne.
où les premières places pour les Jeux Olympiques seront distribuées. Il n'y en aura que trois. Donc les trois premiers mondiaux des championnats du monde, à condition qu'ils ne soient pas de la même nation, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a maximum un quota de 2 athlètes par pays, ben, prendront leur ticket pour Paris. Alors on espère qu'il y aura des Français. Et puis après, il y aura, pour ce qui est des Européens, un TQO en fin d'année qui aura lieu à Laval, en France, sur le superbe mur de Laval où avaient eu lieu les championnats de France l'année dernière. Oui, Laval également une place forte hein, pour l'escalade en France et dans le monde, bien sûr. Allez, on enchaîne là avec, avec Romain, avec Geoffroy, plutôt bien depuis le début. Il prend son temps, il n'est pas le plus rapide. Non, c'est... On le sent plutôt à l'aise. Oui, il gère sa grimpe. C'est un grimpeur, un falaisiste au départ, qui n'était pas trop investi sur la compétition jusqu'à l'année dernière. Donc c'est pour ça hein, qu'il y a beaucoup de gestion, de technique. Waouh, c'était chaud. Hein. Il a jeté les mains à plat, en compression. Il était vraiment, il n'a pas voulu être trop au bord de la prise. Donc il était même presque trop au fond du volume. Il a attrapé les prises avec les paumes. Allez, on se retrouve sous le toit de ce mur de Tarbes. Le plus gros des verts dans cette ascension qui dure, on rappelle, au maximum 6 minutes. Il me reste 3 minutes et un peu plus de 10 secondes pour aller chercher la prise la plus haute et pourquoi pas le top hein, pour Romaric Geoffroy, le champion de France en titre. Allez, là, ça se passe plutôt bien. Il gère. Il n'y a que le jeté hein, qui l'a mis un petit peu. Là. Forcément, ces mouvements de jeté pour les grimpeurs de difficulté sont des mouvements un peu aléatoires. Sont plus faciles à réaliser pour des grimpeurs de bloc. Et le bloc, hein, l'autre discipline de l'escalade, on rajoutera également la vitesse, mais l'autre discipline, je dis ça parce qu'au JO, ce sera un combiné, un bloc difficulté, donc il va falloir être performant sur les deux tableaux. Le bloc, hein, c'est bloc d'escalade beaucoup plus bas, sans corde, où on vient chercher des passages un peu plus techniques, des jetés. Et on est sur un format un petit peu plus différent, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la difficulté, l'escalade de vitesse. Il y a un mur de vitesse magnifique aux normes internationales juste à côté de nous, où là on est sur un format complètement différent. Ouais, ce mur qui est à gauche, hein, de mur de difficulté, et c'est là où on s'aperçoit que le mur de difficulté est monstrueux. C'est que ce mur, habituellement, c'est le plus haut sur les compétitions internationales. Il fait 15 mètres 50, 16 mètres de haut, et là le mur de difficulté le dépasse largement. On est à 19 mètres de haut verticalement, des voies qui dépassent 25 mètres de développé. Alors, Romaric hein, qui ne s'est pas arrêté hein, à la sortie du dévers hein, comme Arsène, on l'a vu qu'il ventilait beaucoup, donc il est dans l'effort. J'espère qu'il va pouvoir accélérer hein, dans la partie suivante qui, on a vu, est très exigeante. Il a l'air de souffrir un petit peu. Allez, il va rejeter là. Allez, on va chercher le gros volume bleu, ce gros cratère, et rentrer dans cette partie. Allez, ça tient, là, il a déjà gagné une place. Dans cette fameuse partie qui a coûté cher depuis le début. Est-ce qu'il va aller chercher la tête maintenant, Romaric? Ah, il a l'air bien, là. Il a l'air bien. C'est pas mal. Attention à bien gérer hein, les placements de pied dans la suite. On l'a vu, Arsène était un peu en difficulté. Ah, il a un peu de marge, hein, puisqu'il remet de la magnésie. Il se relâche un petit peu. Allez, il est arrivé à ressortir son pied. Oh, l'erreur. Aïe, 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 aïe. Il a perdu les pieds. Il a essayé d'aller chercher tout de même hein, le volume bleu juste au-dessus. Mais là aussi, une belle performance pour Romaric Geoffroy. On va surveiller la note provisoire parce qu'il va être pas être loin de la première plage. Je pense qu'il va rester derrière parce qu'en fait, effectivement, il a jeté sa main. Mais au moment où il était en train de tomber, donc ouais. Il n'a pas vraiment envoyé son corps vers la prise. C'est juste la main qui était dans la chute, qui a tenté un mouvement. Mais en fait, le valoriser, c'est vraiment un mouvement où on se place et on se dirige dans le mouvement vers la prise. Et on va revoir ça au ralenti. Il me semble qu'il va avoir la même prise qu'Arsène, mais pas valorisé. Donc peut-être un 44, bon, comparé au 44 plus d'Arsène, juste derrière, donc probablement... On va laisser le jury prendre cette décision. Allez, ça va être intéressant de revoir le ralenti, spécialement sur le dernier mouvement. Voilà, c'est l'endroit là où il aurait pu temporiser un petit peu. On voit, hein, il ventile déjà beaucoup à cet endroit-là. On voit cette position de pied avec le talon hein, qui permet de projeter. Allez, c'est là, vous allez voir, il avait sorti le pied. Ah, oh, c'est le pied gauche qui lâche. Et oui, on voit que c'est juste la main, il est en train de tomber.
Et là, il lève la main, mais son corps est en train de descendre. Donc, ça ne devrait pas être valorisé. Et ça fait 45. Voilà, c'est voilà, 45 et 45 plus. 45 plus pour Arsène Duval, toujours leader. Et donc, 45 pour Romaric Geffroy, qui est donc deuxième provisoire. Pour l'instant, c'est Arsène Duval qui tient bon en tête. C'est donc Adrien Lemaire qui est éjecté du leader corner. Allez, on a déjà passé la moitié de cette finale homme. Et on accueille Hugo Parmentier, le Parisien. Du club Le 8 Assure. Il est resté, lui, fidèle à son club d'origine. Grappeur très sympa, Hugo. Très performant aussi en falaise. Il a réussi les voies jusqu'à 9B. Allez, okay, deux pieds décollés et c'est parti. 9B, ouais, hein, ouais. Cotation plus qu'importante. Ouais, c'est pas le top niveau international. Hein. On est au 9C pour les deux meilleurs actuellement. Il y a que deux grimpeurs qui ont réussi à la cotation de 9C pour l'instant. Sébastien Boin, le français, et en premier, c'était forcément le tchèque Adam Ondra. Voilà. Donc très peu de grimpeurs dans le 9C, quelques-uns dans le 9B+, et lui dans le 9B, donc c'est un des tout meilleurs. Chez les femmes, c'est la verticale limite actuellement avec Julia Chanourdi, qui justement a réussi la même voie qu'Hugo, Eagle 4 à Saint-Léger-du-Ventoux. Il y a tout ça en image hein, sur internet, vous pouvez aller voir ça, c'est assez hallucinant. Ah, Hugo beaucoup plus petit, hein, on l'a vu, il était tendu sur ce mouvement. Grimpeur d'un peu moins d'un mètre 70. 25 ans, elle avait terminé deuxième l'an dernier sur les championnats de France à Laval. Donc vice-champion de France, forcément objectif aujourd'hui pour lui. Aller chercher une place supplémentaire et devenir champion de France 2023. Alors lui, c'est un grimpeur polyvalent. Hein. Il a fait aussi podium France de bloc l'an dernier. Mais dans ses années jeunes, c'était plutôt un grimpeur de difficulté avec des podiums et aux championnats du monde jeunes. Podium qui partageait avec des grimpeurs comme William Bozzi, l'anglais, qu'on retrouve maintenant sur les plus hautes marches au niveau international. Oh ouais, et Hugo qui trouve une méthode à lui pour ne pas perdre ce mouvement de jeter à deux mains. Ah c'est fort de trouver cette méthode. Ah, le public qui s'y trompe pas et qui applaudit hein, cette technique particulière d'Hugo Parmentier pour rentrer sur le toit, enfin sous le toit plutôt, de ce mur de Tarbes. La partie un petit peu plus difficile qui est en train de se profiler pour Hugo Parmentier. Au niveau de l'énergie, hein, ça n'a pas changé grand chose, hein, puisqu'il est resté tout très gainé dans ce passage au lieu d'envoyer ce mouvement de dynamique. Mais au niveau du stress, il a évité de faire un gros mouvement, donc c'est pas mal. Allez, est-ce qu'il va penser à bien talonner et à se reposer un petit peu ici? En tout cas, c'est la meilleure position pour clipper cette dégaine. Non, il va enchaîner. Là, on le sent subir un petit peu. Hein. On va retrouver des volumes un peu plus gros avec des compressions pour Hugo Parmentier. On vient sortir de ce gros dévers. Ouais, c'est chaud pour Hugo qui rejette là. Et la résistance maintenant qui va être de plus en plus importante à gérer pour Hugo Parmentier pour essayer d'aller chercher la première place. Ah, c'est prise en boule. Là, il essaie de les coiffer, mais c'est pas si facile que ça. Donc il reprend la prise en pince. Anticipe le mousquetonnage, c'est toujours important, surtout qu'après on a vu hein, que ça montait en intensité avec des mouvements amples. Allez, est-ce qu'il va pouvoir changer de rythme? Ça va être super important, c'est maintenant que ça se joue. Allez, le public l'encourage. Allez Hugo, seulement il passe pour l'instant pour Hugo Parmentier. Ouais, ça passe. Premier mouvement, la relance, c'est bien. Ah, il va chercher ses grosses pinces noires. Tout se passe ça bien. Va continuer. Ah, il va gérer là, il va prendre la réglette, clipper la dégaine probablement. Ah, il se reprend, c'est important de le faire maintenant. Ouais, il a compris parce qu'après c'est trop tard. On est obligé de les clipper, on ne peut pas continuer hein, ces dégaines. Attention, Hugo Parmentier.
Ah, c'est chaud, il y a le coach qui se lève. La difficulté de ce mur, est-ce qu'il va arriver à enchaîner et prendre la première place devant Arsène Duval, leader pour l'instant, ça tient pour l'instant et ça se jette. Ça tient pareil. Pareil que notre champion de France, Romaric. Juste derrière Arsène. Là, on se demande comment faire pour aller plus haut sur cette paroi depuis le début de cette finale. On a déjà eu 4 finalistes, il en reste 3 à voir et à passer sur ce mur de difficulté. Et pour l'instant, toujours au même endroit, et bien ça lâche pour nos finalistes. Romaric Geffroy toujours en deuxième position et c'est Arsène Duval qui est en tête avec donc 45 plus. Assez serré, super intéressant. Hein. Ça se joue à rien entre le premier et le dernier des 5 concurrents qui sont passés sur cette voie. Et on va accueillir l'homme en forme, hein, un des 2 hommes en forme avec Jérémy Bomber. On voit ici sur ce ralenti la fin du passage du groupe Parmentier. Alors on va vérifier hein, s'il a se valorisé ou pas, mais il ne me semble pas lui non plus. Parce que là c'est pareil, voilà, il est en train de tomber. Pareil, il se projette un petit peu, mais il est en arrière. Il n'y a que la main qui monte, le corps et part vers le bas. Et on devrait le retrouver à 45 sans le plus. Allez, Nao Monchois fait son entrée dans cette salle de Tarbes pour les championnats de France d'escalade. Ça vient de Besançon, 24 ans. Présente l'entretemps, Nao Monchois. Très en forme en ce moment. Il y a eu les demi-finales hein, qui ont eu lieu chez lui sur le mur de Besançon. Demi-finale du nord de la France, c'est nouveau cette année. Jusqu'à l'an dernier, on avait des championnats régionaux qui donnaient en fonction des quotas accès aux championnats de France. Et là, on a eu les régionaux qui ont donné accès aux demi-finales de championnat de France, nord et sud. Alors la demi-finale sud s'est passée à Gémozac sur l'Atlantique, c'était assez loin pour ceux du sud-est. Et puis les championnats, demi-finale championnat de France nord, H à Besançon. Allez, c'est parti pour Nao Monchois. Le chrono est lancé, les 6 minutes pour essayer d'aller chercher la prise la plus haute sur ce mur de Tarbes. Nao Monchois, troisième des demi-finales. Cette fois, c'est sur une voie complètement différente qu'il s'élance pour aller chercher le podium ou la victoire aujourd'hui sur ces championnats de France. Allez, on sur cette première partie, on rappelle avec ces gros volumes qui posent pas trop de soucis pour l'instant. Non, aucun problème, personne ne s'est vraiment mis mal à l'aise dans le départ de voie. C'est toujours bien de commencer dans une voie sans être déstabilisé. Voilà, il est allé dans le mouvement. Hein. Nao qui est aussi un petit gabarit, encore un peu plus petit que Hugo Parmentier, mais très tonique et très physique. Hein. Vous voyez, hein, il a vraiment des bons bras. Et lui, c'est vraiment un spécialiste de la difficulté. On pourrait croire, hein, vu son gabarit un petit peu musculeux, que ce serait plutôt un grimpeur de bloc, mais non. Il ne participe pas trop aux compétitions de bloc, donc pour l'instant, pas investi dans le projet olympique. Je rappelle qu'il faut être polyvalent sur ces 2 épreuves pour espérer performer sur la scène olympique où il y a seulement un combiné entre la difficulté et le bloc. L'escalade de vitesse aura eh bien, son propre classement à Paris en 2024. Oui, ça c'est la nouveauté hein, pour Paris. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Tokyo, il fallait être polyvalent dans les 3 disciplines avec une seule médaille pour l'escalade. Donc un combiné 3 disciplines qui a posé beaucoup de problèmes à certains. Déjà là, c'est beaucoup plus facile de savoir que les grimpeurs de difficulté s'entraînent énormément en bloc pour avoir la force nécessaire et la gestuelle pour grimper dans ces voies. Un peu moins à l'inverse pour les bloqueurs, mais ça se cohabite quand même au niveau de l'entraînement. Donc ça va être beaucoup plus intéressant à Paris se combiner. Et l'escalade de vitesse prendra aussi également une dimension supplémentaire où on aura seulement les grands spécialistes qui vont s'affronter pour cette épreuve aussi impressionnante. Allez, Nao Monchois, on quitte le toit, on quitte ce dévers le plus important de cette paroi pour retrouver ces gros module bleu. Et pour l'instant, il a super bien géré. On le voit, hein, il est pas trop essoufflé. Il anticipe bien les mousquetonnages. Déjà, dès qu'il se place, il sait qu'il va mousquetonner. C'est très bon signe.
c'est qu'il est encore bien frais, le garçon. Alors pour Nao, hein, qui ne joue pas pour l'instant le combiné olympique, il peut espérer qu'après Paris, on ait une médaille par discipline et qu'il a joué vraiment sa médaille olympique sur la difficulté. Allez, on entre dans le vif du sujet. Allez, Nao Monchois qui arrive dans cette partie cruciale de cette finale sur cette voie de Tarbes. Allez, c'est important là parce que la fraîcheur va faire la différence. Il a anticipé tout de suite le mousquetonnage. Il est vachement bien sur cet arqué. Il semble au point pour affronter cette dernière partie de la voie. Ouais, là, il faut vraiment bien gérer les déplacements de pied vers la gauche. On voit que quand on attrape cette pince à gauche, la suivante, ce qui est difficile, c'est de ne pas se faire embarquer vers la gauche. Allez, Nao qui réfléchit pour ne pas faire de bêtises. Allez, ça va passer. Bien. Il va aller chercher la première place, Nao Monchois, il le fait. On le sentait, super ce qu'il fait Nao Monchois. Allez, peut-être aller chercher le top maintenant pour terminer cette voie en finale des championnats de France. Exceptionnel. Allez. Le grimpeur de Besançon. Ah, il est super motivé. Là, il est sur ses deux petites réglettes. Et il arrive, grâce à ce gros crochet de talon, à se relâcher. Il lui reste trois mouvements pour finir la voie. Ah, il se repose, il arrive à reprendre de l'énergie pour aller toper et aller chercher cette dernière dégaine en haut à gauche du grimpeur de Besançon. Allez, s'appliquer jusqu'au bout. La contre-pointe pour attraper cette avant-dernière prise. Il va jeter. Et le public qui explose. Oh, malheureusement, il ne viendra pas toper, mais il vient chercher cette dernière prise. Il vient en tout cas la toucher. Il n'aura pas clippé la dernière dégaine, mais il prend largement la tête de cette finale des championnats de France. Incroyable performance pour Nao Monchois. Ah ouais, super grimpe là. Il peut être 100% satisfait de ce qu'il a fait. Malheureusement, il aura le regret, bien sûr, d'avoir lâché cette prise finale qui doit être un peu ronde. Et avec la fatigue, l'acide lactique dans les avant-bras, ben ça n'a ça pas fait. Mais il va falloir aller chercher quand même. Oh oui. Exceptionnel. Nao Monchois qui met un gros coup de pression au reste du plateau. Ils sont deux, hein, Jordi Paulès et Jérémy Bondère. Et c'est déjà le podium assuré pour lui. Ce qui est son meilleur résultat au niveau championnat de France pour l'instant. En tout cas, ce qu'on peut assurer, c'est qu'il sera sur le podium de ces championnats de France, puisqu'il va être premier avant le passage des deux derniers. Donc dans tous les cas, dans le pire des cas, il sera troisième. Dans le meilleur des cas, bien sûr, champion de France. Nao Monchois, premier grimpeur sur le podium. Allez, on revoit ce dernier mouvement. Ah, il l'avait la main au fond de cette prise, mais elle doit être ronde. Et c'est toujours difficile de crisper une grosse prise ronde quand l'avant-bras est complètement explosé d'acide lactique. Et puis, à vue, compliqué de voir comment cette prise est fabriquée tout en haut également. Non, mais ici, attendez, hein, ils connaissent un petit peu. Les ouvreurs mettent des prises, mais qui restent exigeantes à tenir. À 51 plus pour Nao Monchois. Alors qu'on retrouve Jordi pour son passage en finale. 19 ans seulement, c'est le Benjamin de cette compétition. Il vient de Lyon, représente son club, mais forcément applaudi plus particulièrement ici par le public de Tarbes. Oui, en fait, il n'est pas de Tarbes, mais d'Oloron-Sainte-Marie. Donc, c'est vraiment tout près. À moins d'une demi-heure d'ici. Forcément, c'est le local de l'étape, donc particulièrement soutenu. Et puis, c'est l'outsider, le plus jeune grimpeur. Jordi qui n'avait pas participé au championnat de France l'année dernière, donc c'est peut-être ses premiers championnats de France senior. Et il est déjà en finale. C'est une super performance d'être en finale et pourquoi pas jouer le tout pour le tout. Il n'y a pas longtemps, il était sur une étape de Coupe de France à Marseille où il a pris la deuxième place devant justement Jérémy Bondère qui passe après lui. Donc ça pourrait être un remake. Et pourquoi pas une revanche. Et on va le savoir bientôt. Jordi Paulès, pour l'instant, lui qui est parti sur la première section de cette voie. Lyon Escalade pour Jordi Paulès avec son numéro 66. Alors ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, on avait aussi Lucas Dufros, qui est un jeune de la région, qui avait fait podium au championnat de France et qui lui aussi s'est déplacé sur Lyon pour ses études et est inscrit au club d'escalade Lyon Escalade Sportive. Cette année, ça s'est moins bien passé pour lui,
qui va finir en demi-finale. Allez, ça progresse bien pour Jordi dans cette finale. On va bientôt arriver au niveau du Pro des Verts pour le grimpeur qualifié deuxième des demi-finales. Elle est forcément encouragée, sur-encouragée par le public ici à l'usine Escalade. Au jeté qui passe bien, qui enflamme le public. Ouais, il ne s'est pas fait piéger, hein, parce que pour les jeunes compétiteurs, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Il manque peut-être d'expérience sur ce genre de mouvements spectaculaires. Pas de problème pour Jordi. Un bon gabarit, hein. C'est un grimpeur assez longiligne et taille moyenne. On parlait à peu près 1m75. Parfait pour la difficulté. Allez, il enchaîne. Voilà, il a un peu de mal à se lancer dans ce mouvement. On place son talon. Allez, ça passe. Allez, petite alerte pour Jordi Paulès au niveau de ce toit. Alors, il a bien fait de se reprendre. Il ne faut pas se précipiter, surtout quand on est encore en gestion par rapport à l'effort. Et puis au niveau de cette paroi, c'est un dévers assez impressionnant. Mais quasiment à l'horizontale. Hein. Oui, carrément. On ne se rend pas bien compte parce qu'on est face à la structure, mais on dépasse les 45 degrés d'horizontalité par rapport à la verticale. Allez, ça enchaîne. Maintenant, il va sortir justement de ce gros dévers, retrouver les volumes bleus. Allez, il est dans l'anticipation à chaque fois des mousquetonnages, c'est que il gère plutôt bien sa fatigue. Ah, le gros talon là, qui vient d'être placé idéalement pour Jordi. Il va pouvoir enchaîner avec ces grosses boules là qui ressortent. Noir bien sûr. Ah, ils font travailler hein, la main en pince. Alors par contre cette fois-ci il n'a pas anticipé le mousquetonnage. C'est peut-être une petite erreur parce qu'on a vu que là derrière le mouvement était très dur. Ouais, il va ça va même tenir pour Jordi. Il va devoir gérer le mousquetonnage entre les jambes. C'est dur. Et cette pince, cette main gauche là qui tient bon pour Jordi. Allez, va tout de suite aller chercher la dégaine suivante. C'est passé. Est-ce qu'il va avoir assez de force, assez de résistance pour continuer? Essayer d'aller faire trembler Nao Monchois, pour l'instant leader de cette finale. Il se bat, le jeune Jordi. Attention là, on a vu à ses déplacements de pied. Oui, ça passe. Et ça tient Jordi. Jordi Paulès, il lui reste 1 minute et 50 secondes pour essayer d'aller chercher le top. On a vu ce mouvement, il faut envoyer. Aïe. Il perd les jambes, est-ce qu'il va réussir à résister? Non. Double zipette. Aïe, dommage. Aïe. C'est dommage, mais il va aller chercher très très haut la deuxième place provisoire de cette finale. Et podium pour lui aussi. Assuré, c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il s'est mis mal avec ces deux mousquetonnages au niveau de la section sur les pinces. Et c'est dommage hein, parce que jusque-là il était bien, il gérait ses mousquetonnages au bon moment. Et on l'a vu quand il est parti un peu trop vite vers le cratère bleu, derrière ça l'a fatigué. Il a commis plusieurs erreurs, on peut dire, dans cette voie. Sur la partie en plus la plus importante, et malgré tout il prend la deuxième place. C'est dire le potentiel de ce jeune athlète, 19 ans seulement, Jordi Paulès, qui vient chercher la deuxième place provisoire. Il y aura un podium assuré pour Nao Monchois et pour Jordi, puisqu'il nous reste seulement un seul candidat à la victoire, le vainqueur des demi-finales, Jérémy Bonner, le grimpeur de Cahors Escalade, 31 ans, qui va faire son entrée dans quelques instants devant ce mur de Tarbes pour le dernier passage de la finale masculine. Et on retrouvera derrière, bien sûr, après les différentes réactions, la finale féminine. Jérémy Bonder fait son entrée et il doit aller chercher le top pour s'imposer aujourd'hui à Tarbes, ce qui ne sera pas chose facile. Non, ça va être compliqué, même si c'est un grimpeur très en forme. On l'a vu, victoire Coupe de France à Marseille dernièrement. Et puis là, sur ces demi-finales, c'était le meilleur. Donc forcément, hein, ça, bon, c'est un bon signe. Pour lui, il sait qu'il est en forme.
En passer en dernier, ça peut rajouter un petit peu de pression, mais il a de l'expérience. C'est le plus expérimenté des grimpeurs ici à 31 ans. Et un parcours un peu plus atypique, on le disait, hein, un grand grimpeur de bloc, trois fois champion de France 2014, 2015, 2019. Tout de même cinquième hein, de ce championnat de France de difficulté l'an dernier. Il a désormais une bonne expérience de compétition sur cette épreuve. Et c'est parti pour Jérémy Bonder, le dernier finaliste, le dernier qui peut encore changer la donne au niveau du podium. Pour l'instant, c'est Nao Monchois qui est champion de France. Mais tout cela reste provisoire pour l'instant. Ah, il en est capable, hein. Jérémy. Il a les qualités pour, puisque c'est bois avec plein de grosses prises. C'est volume grosse par la taille, mais pas forcément très bonne. Font en rappeler l'escalade de bloc. Et lui, avec ses expériences, ses années, ses saisons d'expérience en bloc, il a forcément un petit avantage. Il est suivi au niveau de l'entraînement par Romain Desgranges, hein, qui est passé, après sa longue carrière de grimpeur de difficulté, au niveau du coaching de l'équipe de France de DIF. Forcément, Jérémy, qui est 100% axé sur la DIF, suit les conseils de Romain. Et ça, c'est un gros plus hein, pour lui. Romain Desgranges qui a une expérience monstrueuse. Cinq fois champion de France de difficulté. Ouais, c'est le record chez les garçons. Allez, ça enchaîne bien pour Jérémy Bonder, le dernier finaliste chez les garçons. Ouais, il faut qu'il gère bien son effort, qu'il prenne des risques pour avancer quand même dans la voie. C'est un peu le piège hein, quand on est favori et qu'on a confiance en soi, c'est de peut-être rester un peu trop sur les prises. Finalement, à la fin, on est cramé quand même. Allez, il va envoyer le jeté. Ça passe. Ça, pas de problème. C'est sa spécialité, Jérémy Bonder, le bloqueur. C'est bien, hein, il a marqué un petit temps d'arrêt. Non, pas pour se reposer, mais pour se concentrer avant d'envoyer le mouvement. On va voir maintenant comment il encape dans la section déversante. Il est très relâché pour l'instant. On voit le bras totalement ouvert. C'est-à-dire qu'il ne force que sur les doigts au moment du mousquetonnage. Et ça, c'est toujours bien. Beaucoup de force sur les doigts, Jérémy. Spécialement sur les petites prises en arqué. Oula, petite alerte sur cette petite intermédiaire main gauche. Juste à la sortie du gros dévers, avant de retrouver les gros volumes. Allez, il est encouragé bien sûr par le public de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées pour ce championnat de France. Et là aussi, il y a du style. Ouais, mais deuxième petite imprécision. Bon, physiquement, il peut gérer, mais c'est jamais très bon. Ah, il a mieux perdre les deux pieds à ce niveau-là. Et tout miser sur cette grosse compression. Là, du coup, il était un petit peu à l'envers sur les prises, mais pas de problème. Le seul problème, c'est qu'il est lui aussi, il a oublié de clipper la dégaine. Enfin, il a repoussé le mousquetonnage et c'est pas le meilleur endroit pour le faire. Attention, là, il est un peu à contre-temps. Ouh, ça passe juste. Oh, c'est fort, Jérémy Bonder, ça tient pour l'instant. Allez, on arrive dans la partie critique de cette voie. Allez, faut rejeter. Il peut tout changer dans cette finale. Allez, il a le pied un peu bas. Il le remonte parce que lui aussi il a un petit gabarit, un petit 1m70. Il a le coude qui se lève. Hein. C'est pas très bon signe. C'est que là, d'un coup, c'est monté au niveau de la résine. Il est loin le sommet encore. Hein. Il va falloir se battre pour aller chercher cette déjà le podium. Qui est relâché, on vient d'étendre un petit peu tout ça avec ce passage qui va être ultra important dans la course pour le titre de champion de France. C'est le dernier concurrent, Jérémy Bonder. Ah, il n'a plus le droit de commettre la moindre erreur maintenant, puisqu'il est vraiment à la limite sur le physique. Comment il va s'en sortir? Comment va-t-il s'en sortir pour aller chercher plus haut? Il commence à passer beaucoup de temps là sur cette partie. Allez, c'est reparti. Il lui reste attention. Encore l'erreur, l'erreur de trop. Il relâche Jérémy Bonder qui n'ira pas plus haut. Et donc le nouveau champion de France s'appelle Nao Monchois, le grimpeur de Besançon qui s'offre son premier titre de champion de France
sur cette édition 2023. Quelle finale! Devant donc Jordi Pauls et Arsène Duval. Et les larmes. L'émotion de Nao. Et c'est mérité, hein. Il a quasiment topé cette voie sur ce championnat de France. Il a touché la dernière prise. Comme on dit, il n'y a pas photo. Hein. Il a mis 5 ou 6 mouvements au deuxième avec de la très belle escalade. C'est vraiment le seul qui a fait vraiment une voie parfaite. Hein, on va dire. Ça aurait été encore mieux s'il avait topé la voie, mais il n'y avait aucune erreur dans son. Voilà, la première erreur de Jérémy qu'on voit là sur la petite zipette main droite. Et là, juste derrière, une deuxième avec la zipette de la main gauche. C'est ce qui l'a déstabilisé, je pense. Et après, il n'était plus vraiment dans le rythme. Et encore une fois, une erreur au moment de remonter les pieds. Là, il va s'en vouloir un petit peu. C'est pas la voie parfaite pour Jérémy qui espérait beaucoup mieux. Là, on le voit là, il est très déçu. Très déçu parce qu'il sait que ça a été aussi très important pour la suite de sa saison en Coupe du Monde. Ça va probablement le condamner. Jérémy Bonder, quatrième au pied du podium. Arsène Duval, Jordi Pauls, Nao Monchois, le nouveau champion de France. Voici le podium chez les garçons pour ce championnat de France de difficulté. C'est de l'escalade, bien sûr. C'est en direct sur Sport en France. Et on va essayer d'aller recueillir les réactions sur le podium et notamment celle du nouveau champion de France, Nao Monchois. Eh oui, Bertrand, je vous laisse faire ça. Beaucoup d'émotions hein, pour les trois grimpeurs qui montent sur le podium aujourd'hui. C'est leur podium à tous les trois sur les championnats de France. Arsène Duval, troisième. Jordi Pauls, on rappelle, hein, d'Oloron de la région, deuxième. L'outsider qui a tenu son rang. L'outsider ne s'est pas écroulé du tout pour sa première finale. Et Nao Monchois qu'on attendait un peu plus, qui confirme sa belle forme du moment et qui vient décrocher le titre. Ah, c'est des copains en plus à l'entraînement, surtout Arsène et Nao qui sont déjà en équipe de France depuis de nombreuses années. Bravo à tous les trois. On va aller retrouver tout de suite après en interview avec Bertrand avant de suivre la finale femme sur la voie juste à droite du mur. Avec le nouveau champion de France de difficulté, Nao Monchois, quelle finale, quelle domination j'ai envie de dire. Tu as été le plus haut aujourd'hui et largement, qu'est-ce que tu ressens? Et bah franchement je suis hyper content. Je savais que j'étais en forme et je sais pas, il me manquait juste 2-3 petits réglages pour poser mes runs et aller au bout de mon effort en qualif, en demi et là ça s'est bien passé et c'est trop cool, je suis vraiment trop content. À Besançon ça doit être la folie, on imagine que tu as été suivi forcément de près là-bas, t'as un petit mot pour eux? Mais franchement c'est mon club qui me suit depuis que j'ai commencé l'escalade et ben voilà, ils me soutiennent de ouf, à chaque fois que je passe c'est trop cool, je viens un petit peu aider les jeunes là-bas aussi des fois, eux ils m'aident beaucoup aussi, enfin, et du coup ouais, un grand merci à eux, à mes parents qui sont là-bas aussi et tout, enfin, voilà. Merci beaucoup Nao, une petite dernière question, est-ce que tu peux nous expliquer là-haut comment ça s'est passé cette dernière prise, est-ce que tu as cru que tu pouvais toper, comment c'était? C'était une erreur, c'était quoi? C'était dur pour toi ou alors où le top était vraiment pas loin? Et bah honnêtement j'ai réussi à trouver ce petit point de repos sur les arqués bien assis sur le talon là et j'y croyais vraiment, j'avais vraiment envie d'aller la chercher et les deux dernières prises étaient très plates et du coup voilà je me suis fait embarquer en fin de ballon mais je pense que c'était pas loin mais j'ai pas de regrets, c'est comme ça, voilà, je suis quand même allé au bout de moi et c'est cool. Merci beaucoup Nao Monchois, nouveau champion de France d'escalade de difficulté, il est là, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va avoir maintenant
eh bien, le vice-champion de France 2022, Jordi Polès. Bonjour Jordi, félicitations, t'étais le plus jeune de cette finale, le Benjamin, et t'étais pas loin du titre aujourd'hui, même si Nao a été très fort. Ouais, bah franchement je suis très content de ce que j'ai fait, très content d'être là avec les copains, et je suis ultra content aussi, surtout pour Nao qui vraiment était le plus fort selon moi, trop content. Un petit mot sur cette voie, comment tu l'as trouvée, une analyse après coup? Cette voie au début j'avais un petit peu peur du jeté, finalement était pas si dur, un peu peur pour rien. Et après la suite c'est trop cool de pouvoir se battre, délier en haut et tout, c'est trop bien. Merci beaucoup, félicitations, vice-champion de France 2022, 23 même maintenant, c'est mieux, Jordi Polès, félicitations. Merci. Et une dernière réaction, Arsène Duval, troisième de ces championnats de France. On a eu une compétition acharnée, beaucoup de niveaux. Nao Monchois qui s'impose quasiment tout en haut. C'était serré notamment au niveau de cette partie là, juste avant le top. Troisième place, j'imagine qu'il y avait un peu de tension jusqu'au bout parce que cette place pouvait changer. Comment tu te sens? Ouais, bah c'est chouette. Effectivement, c'était hyper tendu parce que Jérém, il est blindé de Rési, il est hyper fort physiquement. Et c'est une voie qui permettait de faire des erreurs. Donc je suis très, très satisfait, très fier de moi parce que bah, voilà, on sait, le sport, le haut niveau, c'est un parcours pas toujours simple, mais ça montre que quand on s'accroche, quand on y croit, on peut y arriver. Et puis voilà, ça annonce un bon été avec les Coupes du Monde derrière, c'est chouette. Et bien, on te souhaite le meilleur pour le reste de la saison. Félicitations Arsène Duval, troisième de ces championnats de France d'escalade 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Voilà, le podium masculin, on le connaît, Nao Monchois, nouveau champion de France chez les garçons. On va passer aux filles dans quelques instants. Avant ça, on fait un petit retour en arrière avec ce qui s'est passé hier sur les demi-finales féminines. Et puis derrière, on accueille les 8 finalistes. Très belles images hein, de ces demi-finales femmes hier soir avec des belles performances. Hein. On a vu les deux dernières qui ont réussi cette voie de demi-finale, Manon Illy et Camille Pouget. Malheureusement, quelques contre-performances dont Maëlys Piazzalunga, la Toulousaine, qui a zippé en début de voie. On lui souhaite plein d'énergie pour continuer sa saison. Et voici les 8 finalistes chez les filles. Mon cher François Legrand, toujours là, et c'est un honneur, on le rappelle, de vous avoir à notre micro. Ina Plassou Djiga, qualifiée en 8e position lors des demi-finales. Elle représente Chambéry Escalade. Oui. Outsider aujourd'hui, attention elle. Oui, quand même, mais déjà présente l'an dernier en finale des championnats de France. Elle est fait 6e. La deuxième outsider, c'est la toute jeune Mejre Le Rondel du club de Troyes, d'Evert Troyes. Alors elle est très attendue puisqu'elle est vraiment, c'est un gros espoir de l'escalade en France. 16 ans seulement pour Mejre Le Rondel, oui. Qui sera dans cette finale. Léna Gros-Piron qui vient de Tournefeuille, altitude grimpe dans la banlieue de Toulouse, 24 ans. Elle est terminée 26e l'an dernier, donc au stade des demi-finales. Cette fois, c'est un gap énorme qu'elle a réussi à passer en se qualifiant en finale. C'est bien, on va voir ce qu'elle fait.
Alors, notre Olympienne, Julia Chanourdi, la première fille à avoir performé au JO pour cette discipline qu'est l'escalade. Julia Chanourdi, 26 ans, elle nous vient de Haute-Savoie, de l'Albanais vertical, championne de France 2018. Ça commence à remonter, mais elle est toujours là, notre Julia. Et ça fait plaisir de la revoir en forme, parce qu'après les JO, ça a été un petit peu compliqué. Et là, voilà, de retour pour justement essayer d'aller chercher une nouvelle qualification pour Paris. Salomé Romain, elle nous vient de Briançon, 27 ans, quatrième en 2022 au pied du podium. C'est toujours un petit peu rageant cette place. On imagine que cette année, elle va avoir les crocs pour aller chercher un podium et pourquoi pas une victoire. Noël Arc, elle est là, la championne de France en titre. Et oui, Noël Owen qui défend son titre, une vraie spécialiste de la difficulté, et elle va se battre. On la connaît, c'est une vraie combattante. Nolwenn Arc, vertical Arc Nantes, 23 ans. Et puis les deux dernières concurrentes, celles qui ont terminé aux deux premières places des demi-finales. Camille Pouget pour commencer, là aussi, du club de Tournefeuille, 20 ans. Elle n'était pas en finale l'année dernière, 10e. Cette année, elle est 2e des demi-finales. Oui, et le sourire sur son visage, on sent qu'elle est vraiment heureuse d'être là. C'est vrai qu'elle vient de Toulouse, même si maintenant, elle est sur les couleurs du club de Chambéry Escalade. C'est une vraie Toulousaine d'origine. Manon Illy, la grande vainqueur des demi-finales. La Réunionnaise, 29 ans. Médaillée de bronze des derniers championnats d'Europe. Vice-championne de France l'an dernier. Cette année, elle est déterminée pour aller chercher le titre de championne de France en difficulté. Elle s'est entraînée énormément. Alors, elle a pas mal d'objectifs, dont, bien sûr, elle est tentée de la qualif olympique. Elle est dans le projet olympique. Elle est allée sur les Coupes du Monde de bloc déjà cette année, même si ça n'a pas très bien passé pour l'instant. Elle va entrer dès la semaine prochaine sur la Coupe du Monde d'Innsbruck en difficulté. C'est la favorite puisqu'elle était vraiment devant depuis le début de la compétition. Malgré même un début de voie très compliqué hier, elle s'est battue et elle a réussi à sortir la voie, ce qui est toujours compliqué quand on n'est pas vraiment dans le rythme. En parlant de voix, on va découvrir en image eh bien, la voix féminine pour cette finale des championnats de France. On change bien sûr hein, de voix pour les femmes, avec un départ complètement différent. Bref, une structure complètement différente pour les filles avec ce premier passage avec alors, ces oui, gros blocs noirs. Je vais les décrire. Vous voyez, c'est le début un peu déstabilisant hein, pour les filles, avec plein de gros volumes qui sont positionnés à l'envers. Donc on va avoir les mains en inversé puis les pieds à plat sur le volume. Pas forcément évident techniquement. Mais en général, c'est le début de la voix, donc c'est pas trop méchant. Après, il y aura ce mouvement pour attraper la première grosse prise bleue, ce qu'on appelle un skate. C'est un mouvement latéral, un jeté qu'on fait souvent sur les compétitions de bloc, mais très rarement en difficulté. Donc pour moi, c'est presque une première à voir ça en voix. Les ouvreurs ont été inspirés, j'ai l'impression, ce week-end. Elles m'ont dit que c'était pas un skate très difficile, mais il y a forcément une prise de risque, donc c'est spectaculaire et ça fait un petit peu peur en tant que dans une voie de difficulté. Et là, on se dirige vers le gros dévers. Voilà. Après la section d'après, sur des grosses prises assez éloignées, où il va falloir quand même mettre de l'intention dans chaque mouvement, sinon elles sont vraiment loin à aller chercher et on laisse beaucoup d'énergie. Et on entre dans la partie la plus surplombante sur ces pinces rouges. Et on traverse vers la gauche, où il y aura ces prises en inversé sur le volume noir. Peut-être une petite décontraction à cet endroit-là. Voilà, cette prise qu'on voit sous le volume noir. Après, la fin du dévers va être beaucoup plus à doigt sur des micros rouges. Donc là, un peu comme les garçons, hein, sur ces volumes noirs avec des prisonniers, qui va fatiguer avant de sortir sur la dernière partie du mur. Un peu moins surplombante, avec des prises plus plates et en position verticale, les pieds un peu soit en adhérence, soit en crochet de pointe ou de talon. Ça demande de la technique et forcément de la lucidité en fin de voie. Et là, malheureusement, on ne voit pas bien la lumière. Les prises sont plus à droite de la partie éclairée. Il y a des petites micros vissées sur les volumes, donc même s'il y a des grosses prises, en fait, il faut se focaliser sur l'appréhension qui est extrêmement petite et qui demande de la force dans les doigts. En plus, toutes les prises sont orientées dans le même sens, donc ça tourne un peu vers la gauche. Et comme les garçons, mais cette fois-ci à l'opposé, il va falloir se finir en jeté vers la gauche, en croisé sur cette dernière prise qui n'est pas forcément un bac.
Eh oui, voilà. tout en haut de ce mur avec la dernière dégaine et le top, comme vous pouvez le voir ici à l'image, c'est à 19 mètres du sol tout simplement qu'il va falloir aller chercher ce top pour essayer d'être championne de France aujourd'hui. Alors qui pour succéder à Nolwenn Arc ? Bien peut-être elle, puisqu'elle remet son titre en jeu aujourd'hui et qu'elle est en finale, ou peut-être une nouvelle championne de France aujourd'hui. Voici l'ordre des finalistes. Ouais. Ina Plasujiga, Mej Lerondel, Léna Gropiron, Julia Chanourdi, Salomé Romain, Nolwenn Arc, Camille Pouget et Manon Illy, vainqueur des demi-finales hier. On est du côté de la salle d'isolement où les filles se préparent. Voilà, la première concurrente est sur le point d'entrer en scène pour sa finale. Les derniers échauffements et c'est parti. Oui, là on est en zone de transit, ce qu'on appelle, ce qui est la zone entre la salle d'échauffement et ce qui est juste derrière le mur, hein, en fait. On a juste un endroit où on prend le temps de se préparer, mettre ses chaussons, s'encorder, mettre bien de la magnésie sur les mains et faire une petite routine de concentration pour arriver déterminé au pied de la voie. Et Tarbes est tout simplement en ébullition ici dans l'usine Escalade au sein de l'ancien arsenal de Tarbes, un lieu mythique de la ville et désormais un lieu mythique de l'escalade indoor en France et bientôt dans le monde, on n'en doute pas. Ina Plasujiga est prête à en découdre pour cette finale. Elle va nous ouvrir cette voie, si je peux me permettre, pour cette finale avec donc 6 minutes comme les garçons pour essayer d'aller le plus haut possible. Celle qui ira le plus haut aujourd'hui sera sacrée championne de France 2023. Alors on va monter probablement crescendo sur cette finale femme, un peu contrairement je dirais à la finale homme où le niveau était assez dense. Là on a quand même les 5 dernières qui sont plus sur le font plus office de favorites et les 3 premières un peu moins d'expérience, donc forcément outsider, mais pourquoi pas, elles ont toutes leurs chances puisque là les compteurs sont remis quasiment à zéro, sauf en cas d'égalité où on pourrait revenir sur le classement des demi-finales. Ah, la petite particularité, on n'en est pas encore là. Allez, c'est la partie un peu d'approche, hein. Pas trop difficile, juste il faut pas faire d'erreur et pas laisser d'énergie et on va vite arriver sur le fameux mouvement spectaculaire, le skate. Ça y est, on y est là, elle va prendre un petit moment pour se concentrer je pense et aussi pour donner de l'élan vers la droite. Allez, c'est parti. Ouais. Et voilà ce fameux skate dont on parlait juste avant avec vous François. Alors le skate, on explique, hein, c'est qu'on prend de l'élan et on se balade avec les pieds sur des volumes mais on n'a plus de prise de main pendant un instant, on est carrément en apesanteur avant d'attraper la prise d'arrivée. Allez, ça enchaîne sur ces volumes bleus pour Ina Plasujiga. Allez, c'est pas mal, elle est bien dans le rythme, elle a bien géré la première section, la concentration sur le skate et là elle met de l'intention, c'est ce qu'il faut dans sa grimpe. Allez, le dévers qui va se faire de plus en plus important sur les deux prochaines sections. On rappelle que les grimpeuses, tout comme les grimpeurs juste avant, ont eu un moment d'observation juste avant cette finale pour essayer de regarder à vue comment faire pour arriver le plus haut possible et s'imaginer sur la voie, prendre les prises un petit peu comme ça dans la tête, tel un pilote de chasse. C'est ça, elles ont eu l'observation ensemble, hein, donc elles pouvaient se donner des conseils les unes les autres, en discuter après en isolement, mais que pendant 6 minutes. Allez, elle attaque le toit, la partie la plus surplombante. On voit bien hein, ce changement de pente entre la partie jaune et la partie verte. Et là, il va falloir envoyer. Parce que les prises sont bonnes, mais éloignées. Et regardez, on le voit ici sur ce plan magnifique, hein, signé des équipes à la réalisation de Stop and Go avec ce dévers ultra impressionnant. Alors, sur la force des bras là pour Ina Plasujiga, elle arrive à repasser un pied. Elle est très physique, Ina, on voit. Hein, des bonnes épaules pour cette grimpeuse. Voilà, elle arrive à ramener sur cette prise et à délayer. C'est peut-être la prise, la meilleure prise de la voie pour marquer un temps d'arrêt. Et là on était pour l'instant sur des prises plutôt grosses.
même si elles sont un peu plates. Et on va passer sur des micro-prises plus à doigt. Ça y est, hein. On sent que ça monte en résistance. Ouh, ça tient. Ouais, ça tient pour Ina Plasujiga qui est... Ouh, attention. Ouais, c'est juste, Elle se bat, elle va envoyer un gros move. Et ça lâchera. Ça va lâcher et ça lâche pour Ina Plasujiga qui vient placer la barre déjà assez haute dans cette finale. Mais sur cette grosse, grosse difficulté, on a senti qu'elle pouvait pas aller beaucoup plus haut. Ina Plasujiga. Là, ça se jouait dans les avant-bras. Forcément, hein, quand ça commence à monter en résistance, c'est beaucoup plus difficile de donner du ballon pour aller faire ce gros mouvement. On va le revoir au ralenti. Là, c'est le skate, sans problème. L'entrée avec ce dégât juste après. Petite erreur, hein, donc elle revient en arrière sur ce mouvement. C'est la seule vraie erreur qu'elle a commise dans le début de la voie. Et après, ça s'est plus joué sur la fatigue. Ouais, c'était bien. Elle n'a pas hésité à faire un mouvement sans les pieds, puisque la prise semblait assez confortable. En revanche, c'est là. Hein, on voit le coup de la main droite qui se lève. Donc, c'est qu'elle la tient plus vraiment bien, cette réglette. Allez, premier passage terminé dans cette finale féminine avec Ina Plasujiga. Alors qu'on va retrouver Mejle Rondel. 16 ans seulement, la plus jeune de cette finale. Vice-championne du monde chez les Minimes en 2021. Elle nous vient du club de Dever 3. Et Mejle, qui est un énorme potentiel et espoir pour la France et l'équipe de France. Elle est déjà en équipe de France jeune depuis plusieurs années. Elle est maintenant en U18, donc elle a l'âge pour participer en se surclassant en senior. Ses premiers championnats de France et la voilà déjà en finale. Ouais, quel potentiel hein, à cet âge-là d'être en finale des championnats de France dans les 8 meilleurs au niveau national. Mejle Rondel. Allez, c'est parti. Le chrono a été lancé il y a un peu moins de 30 secondes. 6 minutes, on le rappelle, pour essayer d'aller le plus haut possible sur cette voie. Mejle qui a remporté de nombreux titres chez les jeunes. Vice-championne du monde l'année dernière en difficulté à Dallas. Et ainsi qu'en bloc. Donc elle est polyvalente, cette jeune fille, c'est pour ça qu'elle a eu aucun problème à réaliser ce skate. Elle a gagné une étape de Coupe d'Europe de difficulté jeune aussi en U16 l'année dernière. Ouais, pour l'instant ça se passe bien, elle est en train de commencer sa carrière chez les seniors. Et ça passe par une bonne performance aujourd'hui au championnat de France de Tarbes. Elle vient du club de Troyes qui sont en train de finir la construction d'une superbe structure un peu comparable à celle-là, voire même un cran mieux. Et on ira certainement organiser de nombreuses compétitions importantes avec la fédération. Allez, bonne prise de risque là pour Mejle. Alors là, elle se trompe pas. Elle met un talonnage pied gauche tout de suite. Elle enchaîne sur la prise suivante. Ça lui permet ensuite peut-être d'aller poser le pied sur la petite prise bleue. Allez, le gros dévers maintenant, ça commence pour Mejle Rondel. Avec ses grosses pinces rouges et noires. Ouais, c'est bien de temporiser là pour elle avant d'attaquer. C'est peut-être pas la partie qui lui correspond le mieux. Allez, il va falloir qu'elle envoie. Et le public hein, qui l'encourage, elle en a besoin de l'énergie pour essayer de passer cet obstacle. Joli mouvement de coordination où elle a gardé contact avec le pied en inversé. Elle enchaîne bien là, en dévers complètement, regardez, quasiment à l'horizontale. La gravité là qui fait son effet et qui elle fait preuve de l'énergie. De belle qualité d'escalade hein, pour son jeune âge au niveau du placement et de la coordination.
Allez, c'est là qu'il va falloir avancer. Une méthode un peu différente d'Ina avant elle. Elle va arriver sur la même prise. Première prise violette, main droite. Alors, est-ce qu'elle va aller faire mieux que Ina Plasuk Giga? Oui, ça passe. Elle va chercher cette prise violette, là, ce nouveau volume sur une section un peu différente. Et ça tient pour Mèche Rondel. Attention, hein, parce que ça a l'air d'être tournant, là. En plus, il y a la dégaine au milieu à gérer. Oulala, petite hésitation et ça va vite monter dans les bras. Et ça lâche pour Mèche Rondel, malheureusement. Elle a été juste au-dessus d'Ina Plasuk et elle va aller prendre la première place provisoire de ce championnat de France féminin. Mais Mèche Rondel nous a montré de très très belles choses, mais c'est vrai qu'on a pu identifier en tout cas la partie critique de cette voie féminine. On a bien senti hein, que c'était très, très exigeant au niveau de physiquement et de la résistance à cet endroit-là. En plus, il y a ces mousquetonnages à gérer, on l'a vu hésiter, probablement s'est posé la question et malheureusement, parfois, il vaut mieux continuer que de mousquetonner à un endroit où on ne le sent pas. Et le simple fait d'avoir hésité, d'être revenu un tout petit peu en arrière, a suffi à la faire chuter. Elle était au bout de ses forces. Allez, c'est là où elle réalise le mouvement qui avait fait chuter Ina. On la voit, elle se place à gauche et elle hésite un petit peu. Et là, le coude qui se lève, c'est jamais bon signe, un coup de la main gauche. Bim, elle aura la prise valorisée, même si le mouvement a été... même pas, 30. Donc, ils lui ont pas compté le valoriser sur ce mouvement. C'est litigieux, on va dire. Elle pourrait faire réclamation en cas de nécessité, si ça lui permet de gagner une place. Allez, on enchaîne avec la prochaine concurrente, la prochaine finaliste, puisqu'on va retrouver Léna Gros-Piron. Léna Gros-Piron qui s'est qualifiée en sixième position des demi-finales pour le club de Tournefeuille Altitude. Allez, dernière visualisation, il y a 40 secondes avant de lancer le chrono dès que les deux pieds seront décollés pour la grimpeuse de 24 ans. Oui, grimpeuse qui a déjà pas mal d'expérience en difficulté. C'est sa spécialité, c'est pas du tout une bloqueuse. Donc elle ne joue pas du tout le projet olympique pour l'instant. Et c'est une belle progression par rapport à l'an dernier où elle était au stade des demi-finales seulement. Et, elle avait terminé dernière même des demi-finales, 26e. Ouais, c'est certainement une surprise, une contre-performance. Il peut arriver à un accident, une erreur au début de voie, soit un zip, soit si on oublie de mousquetonner une dégaine, on est arrêté par exemple. Ça arrive. Pour le cas, je me souviens pas ce qui s'était passé pour Léna, parce que c'est pas quand même son niveau de finir dernière d'un tour en difficulté. Allez, aujourd'hui en tout cas elle a fait beaucoup mieux puisqu'elle est qualifiée en finale 6e des demi. Maintenant elle peut même s'offrir le droit de rêver au titre aujourd'hui, pourquoi pas du podium. Léna Gros-Piron qui est en train pour l'instant d'évoluer tranquillement. Le skate, est-ce que ça va tenir? Elle, c'est pas trop sa tasse de thé. Hein. Ouais, on a senti que c'était plus flippant pour elle que pour Mej et Ina. Il y a eu un petit doute, mais ça tient et ça passe pour Léna Gros-Piron qui va pouvoir se concentrer sur la suite de cette voie. Alors là, contrairement au mouvement dynamique tout à l'heure de jeter pour les garçons, derrière le skate, hein, c'est repos. Mais comme la voie a démarré tranquillement, le repos ne sert pas vraiment à grand chose. Il vaut mieux garder le rythme, juste calmer son stress si jamais c'était le cas pour Léna. Elle s'est fait un petit peu peur dans le mouvement. Elle est partie qui se passe bien pour Léna. Et on a vu que ça a commencé vraiment à l'entrée du gros des verts. Allez, elle y est presque, Léna Gros-Piron. Essayez d'aller faire trembler Ina Plasuk Giga et Mèche Rondel qui sont au niveau du leader corner en bas et qui peuvent observer l'ascension sur ce mur de difficulté de Léna Gros-Piron. Ouais, ce mur qui est vraiment très impressionnant. Voilà, la même méthode anticipé par Léna que par Ina, mais ça passe.
finalement, elle aurait pas, elle aurait pu tenter ce mouvement, Ina, au lieu de revenir en arrière. Finalement, c'était peut-être mieux de d'engager la méthode que de faire machine arrière. Allez, cette fois, on va être dans une zone où la gravité va repousser Léna Gros-Pierron vers le sol. Allez, ça tient, les deux grosses pinces. On lâche les pieds, on revient bien. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait. Hein. Elle n'a pas hésité à prendre des risques, à avancer. Là, c'est bien. Hein. Elle est bien dans le rythme pour l'instant. Beau placement, le lock pied droit pour Mousquetonnet. Est-ce qu'elle va temporiser sur cette prise? Même pas, c'est bon signe, c'est que physiquement elle se sent bien. Allez, très important hein, d'être dans le rythme. Attention, allez, on arrive au niveau de ses concurrentes. Léna Gros-Pierron pour peut-être prendre la tête de cette finale. Allez, relâche les pieds, recale le talon. Attention, ouais, attention. C'est bien dur. Hein. Faut pas se louper. On va crier là. Ah, l'énergie qui commence à manquer dans les bras d'Léna Gros-Pierron. Attention, elle perd les pieds là aussi, ça va être compliqué. Est-ce qu'elle va tenir cette prise? Non. Encore une fois, oh, ça va être serré. En tout cas, pour l'instant, c'est très serré entre les trois premières concurrentes. On vient échouer quasiment au même endroit. Allez, ça fait donc une place de gagnée pour Maëlle Rondel sur cette finale, puisqu'elle était classée derrière Léna sur la demi-finale. Et elle sera au minimum sixième, Maëlle Rondel. Quant à Léna, elle va reculer d'une place, mais rester devant Ina. Elles sont ex aequo sur cette finale, mais grâce à son meilleur résultat en demi-finale, elle ne finira pas dernière, c'est sûr. Alors on voit avec ses plans, ses gros plans, ses zooms, la façon dont Léna, entre autres, vient prendre et saisir ses grosses pinces. Ouais, là, c'était bien, hein, les placements. Et c'est après, là, il y a eu cette zipette au mauvais moment, comme Ina tout à l'heure. Et elle l'attrape, mais elle n'arrive pas à la stabiliser. Mais Maëlle Rondel qui va rester leader provisoire de cette finale pour l'instant. Et Julia Chanourdi fait son entrée dans la salle de l'usine escalade de Tarbes. La grimpeuse olympique qui était à Tokyo en 2021 pour la toute première de cette discipline sur la scène olympique et de retour pour les championnats de France qui a remporté cette compétition en 2018. Et on sait que depuis, il y a eu du très très bon avec cette qualification olympique. Et derrière, c'était un petit peu plus compliqué, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Mais on sent que Julia a retrouvé le goût de la compétition pour aller chercher le meilleur d'elle-même, essayer de reconquérir ce titre de championne de France aujourd'hui. Alors, il faut expliquer hein, que Tokyo, ça a été énorme pour les grimpeurs. Forcément, les premiers grimpeurs olympiens, les 20 qui ont pu aller, 20 garçons, 20 filles. Et parmi eux, Julia, chez les filles, avec accompagnée de Anouk Jobert, qui était la championne de France de vitesse. Chez les garçons, on avait les deux frères Mawem. Et donc, on était full quota pour les Français, vu qu'il n'y avait que deux places par pays. Mais il y a eu un parcours super long pour entrer sur les JO. Et même après, avec le report des Jeux Olympiques à cause du Covid, il a fallu maintenir un niveau de stress et de performance pendant deux saisons non-stop. Parmi ces grimpeurs olympiens, beaucoup ont eu besoin après coup de souffler au niveau mental. Et pour Julia, ça a été le cas. Et surtout qu'elle était un peu déçue de ces JO où elle n'a pas réussi à se donner pleinement. Et en plus, quand elle a repris, il y a eu la blessure. Ça arrive assez souvent quand on reprend après une période d'arrêt. Donc, un gros coup d'arrêt pour Julia, mais bon, ça fait du bien aussi de faire un break pour le corps, pour la tête. Et là, cette année, c'est le retour. Donc, si tout se passe bien, on devrait voir Julia plus haut sur cette voie. Allez, petite hésitation, hein. Là, c'est qu'elle n'est pas très en confiance sur le skate. Alors, qu'elle fait pourtant très facilement. Elle l'enchaîne bien, c'est deux petits pas qui lui permettent d'aller chercher ce volume bleu. Voilà, ça n'aura aucune conséquence, hein, puisque là, elle l'a bien fait. Elle a un peu hésité, mais elle ne s'est pas fait si peur que ça. Là, il y a le temps de se reprendre mentalement et puis de repartir balle neuve, on va dire. La voie commence maintenant. Allez, on observe toujours, hein, en même temps qu'on grimpe cette voie de difficulté pour Julia Chanourdi.
Ouais, et l'important pour Julien maintenant, c'est d'arriver à trouver son rythme. Parce qu'on l'a vu, hein, donc début de voie pas vraiment exigeant, un petit peu d'hésitation parce qu'il y a toujours un mouvement qui fait peur. Mais derrière, c'est vraiment dans les parties surplombantes, exigeantes physiquement, où il faut vraiment avoir le bon rythme. Et Julien, il peut avoir le très bon rythme quand elle grimpe bien. Là, c'est pour l'instant très bien. Et les encouragements de l'usine Escalade, cette structure ici à Tarbes qui accueille ce championnat de France avec un public surchauffé. Et on a envie de voir Julia aller chercher le meilleur d'elle-même aujourd'hui. Allez, encore 3 minutes et 20 secondes au chrono pour la Française. Allez, c'est là qu'on va voir si elle est en confiance. Si elle envoie, ouais, super crochet de pointe qui lui permet de garder contact avec les prises. Elle a en off-foot, pas de problème, elle est bien. Elle est bien physiquement, elle est bien dans le placement. Et on sait que c'est bientôt que les choses sérieuses vont commencer. Et oui, là on est dans le dévers, l'énergie hein, qui va forcément être utilisée de manière importante. Allez, pas de problème, voilà, elle va remettre son pied droit en crochet de talon pour aller chercher la première réglette violette. Ouais, et attaquer passé. Le mouvement qui a fait chuter les deux premières. Ah, elle est bien Julia là, elle va aller la chercher celle-là. Sans problème. Allez, il faut rester dans le rythme. Elle gère le mousquetonnage, sans problème. Elle va enchaîner. Ça y est, elle a pris la tête. Mais elle va monter largement plus haut si elle ne fait pas d'erreur. Allez, elle vient mousquetonner, clipper cette dégaine et prendre la tête de la compétition. Julia Chanourdi. Attention, hein, parce que ces prises sont orientées hein, tout en vertical. Donc techniquement, on peut se faire embarquer à tout moment. Allez, on vient se reposer un petit peu au niveau du bras droit. Ouais, mais c'est pas franchement un bon repos. Hein. On voit que le coude est pas vraiment tendu. Il va falloir pas rester trop longtemps à hein, cette position. Et enchaîner sur la suite. Ouais, ce qu'elle fait. Allez, attention, gainer là. Allez, faut tenir, Julia. Et ça viendra à lâcher à ce niveau-là. Elle prend les commandes de cette finale tout de même, Julia Chanourdi. Après une superbe performance, elle est allée plus haut que toutes les autres. Mais attention, hein, il reste encore 4 concurrentes sur ce championnat de France d'escalade de difficulté. Julia Chanourdi tout de même au rendez-vous. Mais c'est vrai que cette partie avec ses modules jaunes et violets semblait assez compliquée, ses prises toutes fines. Oui, elle s'est appliquée, elle n'a pas commis d'erreur dans cette section. Elle ne s'est pas précipitée. Mais bon, on a senti qu'elle ne prenait pas non plus tous les risques et que même si elle a pris largement la tête du classement, ça risque d'être un petit peu juste peut-être pour jouer la gagne et même peut-être le podium. On va voir. Ah, on voit le mouvement là, ça c'est le mouvement d'Ina. Et Léna Gros-Piron, elle est là malheureusement le mouvement où elle rejette sur la banane à droite où elle avait la main gauche un peu basse sur la banane main gauche. Alors le classement provisoire après le passage de Julia Chanourdi, alors qui n'est pas encore noté hein, voilà, là c'est l'ancien classement avant le passage de Julia. 30 c'était la meilleure performance de Mège Le Rondel, mais ça a été largement battu par Julia Chanourdi. Ouais, elle devait avoir au moins 6 ou 7 prises de plus. Allez, on accueille Salomé Romain du club de Briançon qui était du côté des Jeux mondiaux l'an dernier à Birmingham aux États-Unis dans l'Alabama. Elle avait terminé 5e de cette compétition internationale, 4e des championnats de France l'an dernier, également au pied du podium, 27 ans. Salomé Romain qui a une petite pression parce qu'on le disait, on l'annonçait, fait partie des favorites aujourd'hui, il ne faut pas se louper. C'est vrai, hein, c'est une des piliers, hein, un des piliers de l'équipe de France avec Julia. Elles sont de la même année, elles font des compétitions depuis toute petite. Avant même les catégories U16, U18, U20, elle faisait les compétitions, ce qu'on appelait Poussine, Benjamin ensemble. Et on les retrouve au plus haut niveau, toutes les deux, toujours à se tirer la bourre, c'est sympa. Et maintenant, elles font partie des plus expérimentées avec Manon Illy.
Non, on va le rappeler parce qu'elle ne nous entend pas. Hein. Là, on n'est pas les commentaires dans le public. C'est la plus petite des grimpeuses de cette finale. Et parfois, ben, elle s'en plaint un petit peu parce que c'est un peu, quand on a vraiment moins d'allonge, être pénalisant. Mais bon, il faut qu'arrive, si elle veut vraiment passer un cap, qu'elle arrive à l'oublier complètement. Allez, le skate. Ouais. Avec le sourire, Salomé Romain, ce passage toujours un petit peu perturbant pour nos grimpeuses de difficulté, mais ça passe. Elle doit être soulagée quand même, parce que elle, c'est pas une grande bloqueuse, hein, quand même. C'est vraiment une machine de la difficulté. Allez, mousquetonnage en croisé. Allez, c'est là que les prises, quand on est plus petit, sont un peu plus éloignées, forcément. Mais pas de problème de morphologique, hein, comme on dit. Allez, Salomé Romain qui enchaîne. Il suffit d'envoyer un peu plus fort. Et Salomé, en plus, physiquement, plutôt costaud. En général, elle tient la route au niveau de la résistance. Allez, c'est module bleu. On va passer maintenant à ses prises noires et rouges avec ses pinces un petit peu plus haut dans le dévers. On peut en parler des prises, hein, qui ont beaucoup évolué. Il y a des marques. Hein. Là, il y a 7 marques différentes. Donc, les prises rouges, on voit, c'est marqué Super. C'est un ancien grimpeur de l'équipe de France, Gauthier Super, qui crée ces prises. Donc, elles sont très originales avec bicolore et bitexture. Partie rouge adhérente, partie noire lisse. Quand on utilise au niveau de la position des doigts et des pieds que la partie rugueuse. On a des prises expression, des prises cheetah, des prises entreprise bien sûr. On a vu aussi les logos EP, c'est les entreprises, donc c'est sur les volumes. Et il en reste encore, je crois qu'il y a des prises cheetah, snap, Artline et Rock City. Voilà, je les ai tous cités. Et ils sont partenaires. Ils réalisent d'inventivité pour aller essayer de nous produire des nouvelles prises, des nouvelles façons de grimper ces voies pour faire évoluer la pratique de l'escalade. La pratique et puis la renouveler un petit peu les préhensions et forcément la complexité des voies. Allez, ça se passe bien pour Salomé. Ça a bien progressé, il reste 2 minutes et 30 secondes pour Salomé Romain. On arrive dans cette partie critique et pour l'instant elle est en train de rejoindre Julia Chanourdi en tête de ce classement. Est-ce qu'elle va passer devant? Elle semble bien en tout cas, hein, pas trop fatiguée. C'est l'impression qu'elle donne. Ah, mais attention, hein, c'est Julia qui est restée précise dans chaque mouvement ici. Là, elle, à chaque fois, elle est un petit peu en retard sur les mousquetonnages, mais elle trouve le meilleur placement pour les faire. Et elle va arriver elle est à la même prise que Julia. Il lui faut prendre la suivante, la petite intermédiaire suivante et rejeter sur la banane. Là, elles ont les mêmes prises. Est-ce qu'elle va avoir la prise suivante? Elle a recalé sa main gauche, c'est bien. Oh, et ça tient. Ouais. Ça tient, attention, elle perd le pied. Elle perd beaucoup d'énergie là pour Salomé Romain. Ça tient. Et elle prend la tête de cette finale, Salomé, nouvelle leader, elle est là. Et ça continue, c'est pas fini. Il faut rester bien placé, hein. Elle a mis le talon, elle l'attrape du bout des doigts, cette prise, cette banane. C'est bien, elle va pouvoir ramener. Ah, c'est fait. Ah, et le public qui applaudit déjà la performance de Salomé, c'est pas terminé, on disait, il lui reste une minute et un peu plus de 20 secondes pour aller chercher le top. Ah, c'est super ce qu'elle fait, elle arrive à se reposer un petit peu grâce à cette contre-pointe pied droit qu'elle va devoir lâcher pour continuer. Ouais, c'est ça. Oh, super placement, Lolotte. Elle ramène, attention, c'est le mouvement tournant vers la gauche. Attention, est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Salomé Romain qui enchaîne, juste, incroyable. Allez. Elle viendra lâcher, mais elle a mis la barre très très haute dans cette finale. Elle peut avoir le sourire. Elle est acclamée par le public de Tarbes. Et là, par sa copine Maëlys Piazzalunga dans le public. Ouais, on a senti que, contrairement à Julia, elle est allée chercher beaucoup plus loin dans son effort parce qu'elle était, fatiguée elle aussi à l'endroit où Julia était tombée, mais elle a réussi à se battre. C'est sa qualité à Salomé, une grande combattante,
sur ses voies de résistance. Elle a réussi à pousser son effort très haut sur la voie. On va revoir les meilleurs moments de la performance de Salomé Romain. Le skate. Le skate, voilà, avec le petit sourire, comme on le disait. Un moment un petit peu piégeux. Ce qu'on aimerait voir, c'est plutôt la fin là où elle s'est battue comme une lionne. Voilà, le mouvement qui a fait tomber Julia, là, la petite zipette de pied, deux fois, voilà. Alors là, on a eu peur, Ouais. Et celle-là, elle a bien gainé. Mais quelle résistance, quelle capacité à enchaîner, et puis ce passage hein, très technique. Superbe talonnage, un lolo de talon. Là, on a senti hein, que ça tirait vers la gauche, elle s'accroche avec les épaules. Elle arrive à replacer son pied droit. Elle essaie d'attraper la prise main droite, mais non. Prise verticale. Qu'elle lâche, et c'était au bout de l'effort pour Salomé Romain. La grimpeuse de Briançon qui prend les commandes de cette finale. Regardez Julia Chanourdi qui forcément est heureuse pour sa copine qui lui laisse le fauteuil de leader. Ce n'est pas terminé. Nous avons encore trois concurrentes et on va retrouver la championne de France en titre, Nolwenn Arc, 23 ans du Vertical Art Nantes, la Nantaise, pour remettre son titre en jeu aujourd'hui. Alors un style différent, un physique même différent pour elle. On va voir beaucoup plus légère que Nolwenn Arc, que Salomé Romain juste avant et que Julia Chanourdi. Ouais, elle est très très fine, mais elle est pas très grande non plus. C'est une spécialiste de la difficulté, forcément championne de France en titre. Pas trop investie sur le projet olympique tant qu'on n'aura pas une médaille pour la difficulté. A vraiment des lacunes dans la discipline du bloc. En revanche, en difficulté, elle lâche rien. Elle se bat, elle aussi, énormément. Une résistance incroyable. L'année dernière, elle avait fait des championnats de France incroyables où elle avait dominé en demi-finale comme en finale. C'est pas facile, hein. Des fois, on est bien en demi et puis... Ça met forcément la pression de rétrograder après la demi-finale qui était bien. Elle avait confirmé. Bon, alors toujours ce skate, attention, ce mouvement pour elle, quand même, qui n'est pas à l'aise en bloc. Oui, ouais, c'est elle, passé. Elle a serré le poing parce que pour elle savait qu'il fallait qu'elle soit très vigilante sur ce mouvement. Alors qu'on nous affiche le classement provisoire actuel avec donc Salomé Romain leader, 40 de plus. Julia Chanourdi deuxième, là aussi largement devant Mej Le Rondel avec 35 plus et 30. Donc c'est des gros écarts. Hein. C'est le niveau qu'il faut atteindre pour monter sur le podium. Et pour l'instant, personne n'est assuré d'avoir sa place sur le podium. Hein. Il nous reste trois grimpeuses à passer. Mais il va falloir qu'elles montent très très haut sur cette voie si elles veulent détrôner Salomé Romain. Et elle en est encore loin, hein, Nolwenn Arc, mais pour l'instant tout se déroule parfaitement pour la championne de France en titre. Elle est très à l'aise. Hein. Et puis elle est libérée parce que ce mouvement lui faisait peur. D'ailleurs on l'a vu s'exprimer même, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais c'était assez rigolo. Alors, quelle méthode pour Nolwenn sur ce mouvement. Elle s'y reprend deux fois. Pas très très bon signe. Elle engage. C'est assez rare de l'avoir engagée comme ça. Allez, la première grosse difficulté pour Nolwenn, juste avant le dévers. Allez, on reste concentré, on reste calme. Elle devrait temporiser sûrement sur cette prise avant d'attaquer. Grosse prise inversée avec de grosses marches de pied. Ce qui permet une position très stable. Elle enchaîne. Et elle va envoyer. Elle est en confiance aujourd'hui. Hop là, no foot. Ah, c'est magnifique, Nolwenn Arc. Quelle aisance, quelle facilité dans ce dévers monstrueux. Ouais, et puis elle, vraiment, dans le gros dévers, elle se fatigue moins que les autres parce qu'elle est plus légère. Allez, on va rentrer vraiment dans le dur de cette ascension, de cette finale pour Nolwenn Arc. Qui a la pression, hein, remet son titre en jeu. Elle pourrait aller chercher un deuxième titre consécutif. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait pour l'instant. Pas d'erreur. Ouais, la réglette. Là, elle mousquetonne sur le mouvement
ce mouvement qui est pourtant très, très difficile, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais c'est marge, c'est preuve d'une certaine marge. Ah, de la marge, elle en a encore là, elle est vraiment ouais. Tranquille, tranquille, elle ne montre pas de signe de faiblesse, Nolwenn Arc pour l'instant. Allez, on va attaquer cette section avec ses volumes violets. Ouais, petite prise. Elle semble pour l'instant vacher sur chaque prise. Vacher, c'est quand on est accroché avec, au bout de la corde. Donc vacher sur une prise, ça veut dire qu'on est vraiment tranquille. Et à bien falloir se méfier quand même, parce qu'il y a un moment où si elle reste dans le même rythme, ça va risquer d'être dangereux. Allez, ça passe. Deuxième place déjà sur ce mouvement. Ouais, tranquille. Allez, ça enchaîne bien cette résistance. Est-ce qu'elle va penser à mettre le talon à droite? Non. Elle passe différemment que Salomé. C'est un peu une erreur. Allez, elle revient vers la droite. Elle va certainement aller chercher un coincement de pied sur la banane de droite. Voilà, talon. Ouais, mais elle a perdu un petit peu d'énergie dans cette affaire. Oui. Il reste une minute et 20 secondes pour Nolwenn. Elle est vraiment très bien pour l'instant physiquement. Je la sens beaucoup plus fraîche que Salomé. Et elle se permet de saluer le public et d'aller prendre une dose d'énergie. Allez, qui est envoyée par tout le public de Tarbes, de l'usine Escalade. Et là, c'est la dégaine qu'elle vient de mettre. C'est tout simplement la dernière dégaine avant le top. Donc, il lui reste, elle se rapproche vraiment du sommet. Attention, ce mouvement tournant. Ah, ça va aller chercher la première place. Ouais, ça devrait. Attention, attention, parce que ça tourne beaucoup. Elle arrive. Est-ce que concentrée. Est-ce que ça tient bon? Oh là 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 là, et ça va rester serré. On est au même niveau que Salomé Romain. Ouais. On va attendre le score officiel pour voir ce classement provisoire entre Salomé Romain, Nolwenn Arc et Julia Chanourdiel qui a été délogée de la deuxième place. Elles vont être probablement ex aequo sur cette voie. Et alors, si on revient sur les demi-finales hier, ouais, regardez ça de près. Elles n'étaient peut-être pas ex aequo. Elles seraient ex aequo sur cette voie, ce qui semble le cas, même si elles n'avaient pas exactement le même placement. Salomé avait réussi à remonter son pied droit sur la prise de petite micro noire, ce qui était une bonne chose pour enchaîner sur la suite. Rick Nolwenn était embarqué vers la gauche et avait beaucoup de mal à stabiliser son corps, donc elle est restée dans cette position pour attraper la main droite. Mais elles ont toutes les deux touché cette prise sans la tenir, donc c'est la main qui compte. Qu'elle devrait être ex aequo. On va regarder les demi-finales. Les demi-finales. Ah oui, c'est bien ça. Où Salomé était. Ah, Salomé était derrière. Était derrière, oui. Ouais, à une prise près hier, donc elle va être première. Pour l'instant, Nolwenn Arc qui assure la place sur le podium. Et 42 plus avec l'avantage donc des demi-finales pour Nolwenn Arc qui est donc la nouvelle leader, championne provisoire, on le rappelle, puisqu'on a encore deux passages, mais elle est certaine d'être sur le podium, au moins de ces championnats de France si à Tarbes. Camille Pouget fait son entrée. Ouais. Et cette fois, on va laisser la grimpeuse se concentrer, le public qui va commencer à l'encourager une fois qu'elle aura décollé les deux pieds et lancé sa finale. Elle va être très soutenue ici puisqu'elle est d'origine de Toulouse, donc de la région voisine. Maintenant, elle est sur Chambéry où elle fait ses études. Donc licenciée au club de Chambéry Escalade. Mais son cœur est toujours à Toulouse. Non loin d'ici, hein, non loin des Hautes-Pyrénées, de Tarbes. Attention à Camille, hein, parce qu'elle peut vraiment, on l'a vu hier, être très performante sur cette finale. C'était l'une des deux à avoir réussi la voie de demi-finale. Donc elles sont pour l'instant ex aequo. Elles étaient ex aequo en qualification, ex aequo en demi-finale au top avec Manon Hilly. Donc il va falloir les départager forcément sur cette finale, d'une façon ou d'une autre.
si ce n'est à la hauteur, ce sera au chrono. Dans ce décor industriel de l'ancien arsenal de Tarbes, où ce gigantesque mur de 19 mètres de haut a été installé, et tout ce complexe sportif. Allez, le skate, ça passe tranquillement pour Camille Pouget, qui est l'avant-dernière finaliste de ces championnats de France féminin. Camille qui commence à s'habituer un petit peu aux compétitions de bloc. Ouais, c'est les jeunes qui sont assez, elle est jeune, hein, donc plus polyvalent dans les deux disciplines. Elle s'est testée un petit peu sur certaines compétitions importantes en bloc et elle n'était pas du tout ridicule. Ça lui a beaucoup apporté, je pense, dans sa grimpe aussi en voix. Elle est assez rapide pour l'instant, hein. Oui. 4 minutes et 20 secondes restantes, elle est déjà bien avancée sur cette voie. On attrape directement les deux pinces rouges et noires juste avant le gros dévers. Ça perd pas de temps pour Camille. Non. On voit qu'elle est vraiment déterminée dans ce qu'elle fait. Donc pas d'hésitation, là, il y a ce petit mouvement où certaines ont fait différentes méthodes. Elles sont lancées tout de suite dans ce qu'elle avait anticipé à la lecture du bas. Le petit repos classique à ce niveau-là, et on repart. Allez, ça repart avec un talonnage. Elle garde le contact, elle, avec les pieds. Belle technique de contrepointe et talonnage. Allez, ça se passe bien pour Camille. Finale femme très excitante, hein, qui monte crescendo à chaque grimpeuse quasiment. Et ce dévers qui est en train d'être avalé, hein, par Camille Pouget. On est presque de retour, hein, sur un plan un petit peu plus vertical sur cette nouvelle section avec ses modules jaunes, ouais, et violets. Voilà, Bertrand, je vous rassure, hein, c'est loin d'être vertical la, oui, fin du mur, mais c'est tellement moins surplombant que la partie du milieu qu'on a l'impression effectivement que c'est plus accessible, mais on est dans une inclinaison encore de 25 degrés. Donc c'est assez hallucinant, ce dévers qui ne finit pas sur cette paroi. Les mensurations de ce mur sont juste hors normes. 19 mètres de vertical pour 11 mètres d'avancée horizontale. Allez, on suit Camille qui se rapproche de la hauteur de Julia Chanourdi. Allez, ça va être sur mouvement qui passe tranquillement. Allez, on va aller chercher la troisième place et déloger Julia Chanourdi du podium de ces championnats de France. Est-ce que ça peut aller chercher maintenant la deuxième place, voire la première? Et non! Aïe, 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 erreur de placement. Camille Pouget qui n'en pouvait plus et qui fait l'erreur et qui tombe. Ouais, ça sera pas de podium pour Camille non plus. Probablement pas de podium pour l'instant. Parce qu'il nous reste Manon Eli qui a le potentiel et largement le potentiel pour aller plus haut. Voilà, il n'en reste qu'une, mais elle est troisième actuellement. Elle va être sur un siège éjectable, hein, tout au long du passage de Manon Eli, qui sera la dernière finaliste chez les filles. Et qui, sur ce qu'on a vu depuis le début de la compétition, si elle est inspirée aujourd'hui, parce que hier, en demi-finale, elle a réussi quand même à toper la voix alors qu'elle avait fait un début de voix assez catastrophique. Si elle part bien, elle a un niveau qui devrait lui permettre de monter plus haut. Et on le voit là avec Camille qui était plutôt bien jusque là et qui fait une erreur de placement à ce moment-là, de méthode on va dire plutôt, où il fallait aller mettre le talon sur la banane à droite au lieu de se servir de cette petite inversée. Allez, là, la dernière finaliste, François, c'est Manon Eli, vainqueur des demi-finales. Elle a 29 ans, elle est originaire de La Réunion, médaillée de bronze des championnats d'Europe l'an dernier, donc une compétition sur la scène internationale et vice-championne de France 2022. Détermination à son paroxysme pour elle aujourd'hui, pour espérer devenir championne de France pour la première fois. Alors Manon qui est
porte les couleurs de La Réunion, qui garde les couleurs de son club d'origine. Elle est située à l'ouest. Elle a habité pendant très longtemps là-bas, et depuis plus de 10 ans, elle habite en Provence, à Marseille, où elle s'entraîne au quotidien et où elle travaille, puisqu'elle a un métier. C'est une des rares grimpeuses de ce niveau-là qui n'est pas vraiment professionnelle ou étudiante, ce qui est assez admirable. Et regardez, François, le classement provisoire avant le passage de Manon Ellis et Noël Arc devant Salomé Romain avec cet avantage grâce aux demi-finales. Et Camille Pouget, troisième, 39 plus, pour aller chercher au moins 40 pour être, ou 39 plus, puisqu'elle sera avantagée grâce aux demi-finales. Allez, 40 pour aller chercher le podium et 43 pour aller chercher la victoire au championnat de France aujourd'hui pour Manon Ellis. Allez, Manon, normalement, c'est une grimpeuse très polyvalente, donc ce moment de skate devrait bien passer. Ouais, pas de problème. Ah, pour l'instant, bon, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. C'est dans la section suivante qu'on va voir si elle est bien dans le rythme. Manon qui à la fois donc, travaille, s'entraîne, fait des compétitions en artificiel, en mur artificiel sur le niveau national et international, et qui fait de la falaise aussi, puisque c'est une grimpeuse de très haut niveau qui a atteint le niveau 9A après travail, et qui travaille la voie biographie. C'est son projet de vie entre guillemets en falaise qu'elle aimerait réussir, qu'elle essaye déjà depuis plusieurs années. Donc elle a une vie très occupée, cette jeune fille. Et ça ne l'empêche pas d'être performante absolument partout, à commencer par ses championnats de France, vainqueur des demi-finales, et l'occasion maintenant d'aller chercher ce titre de championne de France. Et c'est une fille, une femme, puisque maintenant elle a 27 ans, mais elle restait très simple et très cool. Allez, on arrive dans le dévers le plus important pour Manon Ellis, 3 minutes 40 au chronomètre. Le petit repos classique avant de se lancer sur ses grosses pinces avec ses pieds qui vont se dérober à plusieurs reprises. Allez, super contrepointe elle aussi. Hein. Elle fait jouer sa technique de contrepoint d'étalonnage dans le dévers, très efficace. C'est vraiment le profil qui lui convient le mieux. Elle est hyper physique. Ça se voit peut-être pas parce qu'elle est assez fine, mais elle est très très forte physiquement. Allez, elle est bien hein, sur cette voie, pas d'erreur comme hier. Allez, on va sortir du gros dévers et voilà, enchaîner ce nouveau secteur. Ouais, tranquille, elle a anticipé ce mousquetonnage qui était assez délicat pour certaines. Et pour l'instant, tout se passe bien. Ça devrait bien monter. Et ça sent le podium. Après la gagne, on a vu que ça s'était joué sur le même mouvement très délicat. Et le public le sait, le public de Tarbes encourage Manon Ellis. On a envie de voir Manon aller toper la voie. Ce qui n'a pas été le cas chez les garçons dans la finale, et ce qui n'a pas été le cas non plus chez les filles dans cette finale pour l'instant. Allez Manon. Ouais, l'intermédiaire, replacer le pied, replacer la main bien à gauche, bien à droite sur la banane. Oulala, attention, placement bizarre. Ouais, ouh, ça passe, mais c'est chaud. Ça va lui permettre d'enchaîner. Allez, pour l'instant en quatrième position. Précipité. Ouais, elle a mis le talon, ça c'est bien. Elle prend la place de troisième et assure son podium. Allez, elle est sur le podium pour la deuxième année consécutive, Manon Ellis. Et maintenant, le titre de championne de France en vue pour la Réunionnaise de 29 ans. Et là, c'est la bonne position hein, pour marquer un temps de récupération. Oh, la tension qui monte dans le public. Quelle ambiance ici à Tarbes pour voir Manon Ellis peut-être aller chercher son premier titre de championne de France. Pour l'instant, elle est au niveau de Salomé, Romain et de Nolwenn Arc. Allez, c'est super. Elle a mis un coincement de genou qui lui permet d'aller tranquillement choper cette prise. Attention, c'est là que ça, c'est dur, on l'a vu, et voilà. On cherchait la petite prise, elle l'a eu, et ça tient, et elle va pouvoir enchaîner
et aller chercher peut-être. Allez, on veut qu'elle sorte la voix. Allez, bon. Ah, ça vient glisser au niveau des pieds, elle n'ira pas toper, mais c'est elle, la nouvelle championne de France d'escalade de difficulté. Son premier titre, Manon Hilly, qui vient succéder à Nolwenn Arc. Premier titre majeur, elle en avait gagné chez les jeunes, mais pas en senior, ni en disque, ni en bloc. Et on l'attendait depuis longtemps. Bravo Manon, c'est mérité sur cette compétition et puis sur l'ensemble de sa carrière. Et c'est de bon augure pour cette saison où elle va aller jouer vraiment ses chances à fond sur la qualif olympique. Elle était déjà présente sur les Coupes du Monde de bloc, même si c'était assez dur. Là, elle va être dès la semaine prochaine, à Innsbruck pour la première étape de Coupe du Monde de difficulté. Et puis après, sur les suivantes, à Villars et en France, Briançon et Chamonix. Là, elle s'est fait un peu peur sur ce mouvement. Mais après, elle a bien géré la suite. Et c'est super pour Manon Hilly. Belle perf de Salomé Romain et Nolwenn Arc qui sont en classe juste derrière. Nolwenn Arc qui confirme après son titre par un titre de vice-championne de France et podium pour Salomé Romain. Superbe finale. Globalement, hommes et femmes, bravo les ouvreurs, ils ont fait un sacré beau travail. Et les grimpeurs, bien sûr, parce que c'est quand même eux qui font le spectacle. Voilà, on s'est régalé, nous, à commenter ces deux finales. Et chez les filles, la logique est presque respectée. Allez, on les retrouve sur la cérémonie des fleurs avant de les retrouver plus tard sur le podium. Puisqu'il y a un petit délai entre la fin de la finale et le podium pour laisser le jury sortir les résultats officiels, les coachs éventuellement porter des réclamations si le trouvent opportun. Donc, il y a 5 minutes de délai. Allez, Manon Hilly, championne de France. La bise à Nolwenn Arc, seconde, et Salomé Romain, troisième. Dans quelques instants, François, on va retrouver les filles du podium et notamment la nouvelle championne de France, Manon Hilly, en interview pour les réactions de ces trois filles qui nous ont offert un spectacle. Encore une fois, hein, à l'instar des garçons juste avant, un spectacle exceptionnel, dans une salle exceptionnelle, devant un public exceptionnel. Oui Bertrand, je vous laisse interviewer les championnes et je vous rejoins sur le devant de la scène. Allez, on va retrouver Manon Hilly au micro, qui devient championne de France pour la première fois après une finale fantastique. Manon, vice-championne l'an dernier, championne cette année. J'imagine qu'il y a une joie qui doit être assez exceptionnelle. Ouais, c'est un titre. J'ai jamais réussi à gagner de titre, que ce soit dans ma carrière aux jeunes ou en adulte. Et là, je suis hyper contente parce que je suis l'une des plus vieilles de l'équipe et j'ai fait beaucoup de résultats à l'international, mais jamais de titre de championne de France. C'est super bien, je suis hyper contente et j'ai réussi à grimper super bien, je suis super contente. Ça se voit, ça se comprend également. Comment on a pu imaginer ça avant, quand on comprend votre parcours, comment vous êtes préparé mentalement? Est-ce que vous visiez absolument ce titre aujourd'hui? Je le visais, mais je me suis promis de ne pas trop me mettre la pression, parce que c'était pas l'objectif. Je suis venue, entre guillemets, pour me préparer sur la Coupe du Monde qui commence la semaine prochaine. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a aidé finalement à avoir ce titre. Donc c'est une super chose à savoir une semaine avant le début de la saison. Et puis ça veut dire que je suis au niveau et je suis hyper contente.
Qu'est-ce qu'on ressent là-haut quand on sait qu'on a pris la prise qui nous fait devenir championne de France derrière? Est-ce qu'on arrive à rester concentré pour aller un peu plus haut quand on entend le public également qui est déjà en train de fêter ce titre? En fait, je ne savais pas et je sais que le public, il encourage beaucoup. D'ailleurs, c'est super pour les grimpeurs. Mais je ne savais pas du tout que j'étais championne de France, mais j'étais contente parce que j'ai réussi à me battre. Je pense que j'aurais pas pu donner beaucoup plus, donc au final, zéro regret, même si j'étais pas première. Mon run, il était pour moi super bien, donc zéro regret. Et au final, ça passe, donc c'est trop bien. Vous êtes la nouvelle championne de France 2023. Félicitations, Manon, et bon courage pour la suite. Encore bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Manon Elie, championne de France de difficulté 2023. On va maintenant accueillir sur ce pré-podium, on va dire ça comme ça, la vice-championne de France 2023, qui était championne de France l'an dernier, Nolwenn Arc. Nolwenn, cette fois, on inverse les rôles avec Manon. Au terme d'une superbe finale, encore une fois, il y a eu une belle bataille. Il y a des regrets ou on est content d'enchaîner comme ça avec un deuxième podium consécutif sur ces France? Non, mais je suis prête juste. Hein. Non, je rigole. Ah, vous allez le reprendre l'an prochain, c'est ça? C'est annoncé, c'est retenu. Non, franchement, c'était une superbe finale. Non, mais c'est Manon, c'est une grimpeuse qui est super forte, que j'admire depuis longtemps. Salomé Romain aussi, toutes les autres aussi en fait. Donc à chaque fois, c'est. En fait, tout repart de zéro à chaque compétition d'escalade et me retrouver là encore une fois, la vice-championne. Enfin, c'est fou d'être à nouveau vice-championne de France et ça me rouvre la porte à l'international, etc. C'est dingue. Et puis en plus, moi, je suis nulle en skate. Honnêtement, c'est le premier skate que je fais de ma vie, honnêtement. Donc, non. Mais en plus, Manon, c'est tellement et amplement mérité. Elle nous a fait une saison l'an passé en Coupe du Monde qui était exceptionnel et franchement c'est vraiment un honneur d'être là et je suis juste trop contente en fait, honnêtement. Félicitations pour cette deuxième place. On parlait de ce skate, on en a beaucoup parlé aux commentaires avec François. Est-ce qu'il y a eu un petit doute, une petite hésitation à ce moment-là parce qu'on est quand même au début de la voie? Oui, alors après, honnêtement, alors moi je suis pas très forte en coordination, mais on se dit que stratégiquement, un skate qui est placé à 3e, 4e des gains, c'est forcément quelque chose qui ne va pas être très dur. Le but, c'est surtout de nous mettre, enfin, à la fois nous, pour nous, de nous mettre dedans et nous mettre un petit coup de pression, et à la fois pour que le public, ça fasse un premier petit coup d'envoi, on va dire, dans la voie. Donc oui, on a tous stressé. Hein. Honnêtement, je crois que j'en ai pas vu une seule ne pas faire des skates un peu ridicules. Et moi, je peux vous dire que c'était assez drôle dans la zone de transit même. Parce que forcément, dès qu'on a une prise de risque comme ça, on n'a pas envie de voir notre finale ça terminer là. On a trop envie, en fait. On est les grimpeurs, je pense que s'il y a quelque chose qui nous caractérise, c'est qu'on est juste des sportifs passionnés. En fait, nous, quand on voit une voie comme ça, on a envie d'aller se battre jusqu'au bout en haut. Et ce qui nous ferait plus mal, entre guillemets, c'est pas forcément la place que ça nous octroierait de se planter là. C'est plus aller plus haut, quoi. Ouais, exactement. C'est pas pouvoir aller justement chercher ce petit sentiment à la fois de liberté et à la fois de. On est là et on n'est plus là. En fait, il n'y a plus place qu'en présent qui compte. Il n'y a plus rien autour, il y a juste nous, la voix, ce qu'on fait. Et c'est ça qu'on cherche en fait. C'est ce moment où on est à la fois hyper déconnecté et à la fois totalement connecté à ce qu'on fait. Et dans la vie, il y a toujours plein de trucs autour, on pense toujours à 300 000 trucs. Et c'est un peu ce moment où on a l'impression, juste 30 secondes, que le monde s'arrête. On est juste dans la bataille et dans l'adrénaline de ce qu'on fait, et c'est ça qui est sûr. Merci beaucoup, Nolwenn, pour cette deuxième place, vice-championne de France. Et bien, bon courage pour la suite, le reste de la saison, et à l'année prochaine, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Félicitations. On va retrouver. Salomé Romain, troisième de ces championnats de France ici à Tarbes, dans une ambiance fantastique, dans une salle magnifique également. Salomé, c'était très serré jusqu'au bout, surtout avec Nolwenn, ça s'est joué au résultat des demi-finales, puisque vous étiez à égalité sur cette finale. Mais une troisième place, un podium, c'est tout de même, j'imagine, une belle performance pour vous. Oui, je suis hyper contente de ce podium. C'est mon premier en senior, alors que ça fait quelques années que je suis en senior. Donc ça fait plaisir de faire cette médaille de bronze. Et c'était dément, hein. La voix était géniale, le public était fou. T'as l'impression que t'avais gagné à la quatrième paire, donc c'était pas forcément évident à gérer, mais du coup ça fait une super ambiance. Et c'était bien serré jusqu'au bout. De toute façon, on le savait avant la compète, hein, on était 5-6 filles à se tirer la bourre pour la victoire et voilà, c'est le jeu et on s'est tout arraché et le classement est là et il est cohérent, donc c'est chouette. Merci beaucoup Salomé, félicitations pour cette troisième place et on se retrouve l'année prochaine, espérons-le. Merci beaucoup.
On va retrouver également François Legrand, qui était à mes côtés pour commenter ces championnats de France d'escalade de difficulté 2023 ici à Tarbes. François, un grand merci tout d'abord d'avoir été avec nous, de nous avoir donné toute votre expertise, parce qu'on rappelle que vous êtes tout de même une légende de l'escalade en France, c'était un honneur. Ouais, c'était juste un grand plaisir, hein. Ces finales étaient magnifiques. Les hommes, il y a eu un peu des surprises, et puis une première victoire pour Nao Monchois. Et chez les filles, la logique pour moi était assez respectée. La meilleure, c'était Manon. Et elle a fait la différence en plus sur un détail qui m'a plu avec le genou, son expérience de falaisiste. Et on a eu un beau spectacle. Ouais. Les nouveaux champions de France, ils sont tout nouveaux, c'est leur premier titre. Nao Monchois chez les garçons, Manon Elie chez les filles. Voilà, ils décrochent ce titre de champion de France. Maintenant, direction les Coupes du Monde, direction le Grand Bain, en vue des Jeux Olympiques pour certains à Paris en 2024. C'est dans moins de 400 jours, ça va être l'événement l'an prochain. C'est ça, on peut annoncer, donc j'ai eu l'entraîneur national qui m'a dit que donc, les champions de France en titre là sont sélectionnés pour les prochaines Coupes du Monde. Et c'est très important pour eux qui n'avaient pas forcément leur place d'aller jouer leur qualif olympique. Et c'était l'objectif aujourd'hui pour eux, c'est réussi pour Nao Monchois et Manon Elie. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de Sport en France. Merci encore une fois à François Legrand. Merci Bertrand. Merci à tous les grimpeurs, à toute l'organisation ici à l'usine Escalade de Tarbes. Merci beaucoup à toutes les équipes de Stop and Go, à la production de ces championnats de France. Nous on se retrouve très vite pour encore plus de sport sur Sport en France. Allez à tous, ciao. Au revoir.